Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Rebecca, bonsoir Alain. Bonsoir Stéphane de la Ligue. Moi aussi je partage ta beauté. Bonsoir Félicité Kanga. Bonsoir, Amand. Bonsoir, Tassop. On partage, on se connecte, on s'installe et on partage pour qu'on soit nombreux. Bonsoir, Mabila, Laura, pardon. On partage le direct. Pendant que je partage, vous pouvez aussi partager. Comme ça, on partage tous ensemble. Voilà. Bonsoir Néanguet, bonsoir Borel, bonsoir Thérèse, Judith. Bonsoir à tous. Donc, comme je disais, ah, j'ai pas mis le lien, il faut que je mette le lien. Si c'est écrit, si c'est Wizzing, quoi, là. Si tu ramènes la polémique concernant les histoires de Paul Chouta et Koun, je te bloque. Ce n'est ni l'endroit ni le lieu. Ce n'est pas le tribunal ici. Le tribunal, ce n'est pas sur ma page. Ils sont toujours comme des petits serpents, comme des petits venins. Vous baladez partout, partout, vous divulguez. La mauvaise nouvelle. Bonsoir Roger, bonsoir Eric Onana. Donc vraiment, c'est pas la peine de venir de raconter les histoires qui m'intéressent pas sur ma page. Le tribunal de grande instance n'est pas sur ma page. Bonsoir Thérèse, Judith, bonsoir Aminato, Aminato. C'est pas ici qu'on fait le tribunal de... Donc vraiment... Ah, mais l'état de Congo sale, moi, je ne suis pas d'humeur, je n'ai même pas le temps. Voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en difficulté et on doit l'aider. Le reste, c'est les détails. Voilà. Le reste, c'est le rampampam, comme on dit souvent. Paul Chuta est en difficulté, on doit l'aider. Le reste, c'est le rampampan.
Oui, sinon je t'ai bloqué, c'est pas mon problème. Moi-même, je vais bientôt te bloquer. Je ne t'ai dit qu'on te bloque. Bien, est-ce que c'est interdit de te bloquer? Donc, comme il t'a bloqué, voilà, on va bientôt commencer à épingler le commentaire. Voilà, c'est bon. Voilà, donc bonsoir la famille, bonsoir André Ducalo. Donc, vous voyez, j'ai épinglé le lien. C'est un lien de United for Cameroun pour venir en aide à Paul Chouta. Vous savez très bien ce qu'il traverse en ce moment. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez très bien qu'il a été agressé. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Donc, j'ai épinglé le lien pour que les hommes de bonne volonté, tous ceux qui veulent, tous ceux qui veulent le soutenir, qu'il n'hésite pas à cliquer sur le lien et à participer. Mais en attendant que nous partageons le direct et que nous soyons un peu plus nombreux, nous allons parler, faire un peu dans l'humour. Parce que vous avez vu aujourd'hui le baptême, comment on appelle ça, born again, le born again de Billy Akele. Vous avez vu, le gars est né de nouveau. Et il a décidé de laver tous les péchés du RDPC sur lui, de devenir un nouvel homme. Bonsoir Jean-Jacques Dédé. Donc, Billy Akele est, comment on dit, born again. Il est né de nouveau aujourd'hui. Il est allé se laver dans un marécage là. Je ne sais pas, non seulement la couleur de l'eau, et même encore, peut-être, enfin, peut encore ajouter les problèmes, c'est les problèmes qu'il a déjà. Mais on a dû quand même le voir. Donc, vous comprenez donc tout simplement que voilà quelqu'un que le gouvernement a joué avec ses nerfs, a joué avec lui, l'a bien utilisé, s'est bien servi de lui. Il a été le, comment dirais-je, le petit pion. On dit monte, il monte, descend. Il a fait le sale boulot parce qu'il s'attendait à recevoir des médailles, des grandes récompenses, des titres, des postes. Alors, il s'est passé, il a joué le rôle du méchant, le rôle du mauvais. Il a joué tous les mauvais rôles pour plaire au gouvernement. Parce que il avait plein de promesses qu'on lui a faites. Il s'est dit, on lui a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Insulte le MRC, insulte Kamto, insulte les combattants, insulte la base. Et tu vas voir, le gouvernement va t'aider parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu insultes les Bamileke, tu insultes tous ceux qui veulent le changement. Et ça plaît au gouvernement et forcément, ils vont te venir en aide. Et voilà. C'est ce que Billy a fait. Il a passé tout son temps à inciter les gens, à faire du mal, à détruire. Et au final, il est descendu au Cameroun comme un seigneur, s'attendant à ce qu'on lui déroule le tapis rouge, qu'on lui donne du travail, qu'on dans un ministère, qu'on le loge, qu'on lui donne une voiture de fonction. Voilà, c'est-à-dire le parfait héros, quoi. Mais il a très vite déchanté parce qu'à son arrivée, il a été reçu par Jean de Dieu Momo, qui est le parfait exemple des cons. Et il s'est certainement dit que sa vie allait changer. Mais malheureusement pour lui, comme on dit, il est plutôt en train de descendre au fond du gouffre. Et il est actuellement au fond du gouffre. Il ne cesse de demander pardon. Il ne cesse de se confondre en excuses. Je ne sais pas s'il a pris conscience ou pas, mais toujours est-il que quand j'ai vu aujourd'hui son baptême. Bonsoir, Blessimo. Quand j'ai vu son baptême aujourd'hui dans le marécage. Avec de l'eau aussi sale que lui-même. Je me suis dit, il lave quoi? Il lave les péchés du RDPC sur lui. Ou il, je sais pas, mais je comprends pas trop. Parce que quand on a eu haine aussi profonde, quand on a eu à jouer, à faire le mal autant que ce jeune homme a eu à le faire, sans toutefois avoir été victime de quelque chose. Parce que parfois, quand les gens font du mal, tu dis que oui, il rend le mal qu'on lui a fait, mais on ne lui a jamais fait du mal. Mais on a été très surpris de voir le degré de méchanceté, de haine qui animait l'esprit de ce gars. Peut-être plus le degré de haine augmentait, plus il était sûr qu'il devait avoir de grandes récompenses. Bonsoir, Mylène Pavin. Et alors, il est aujourd'hui en train de déchanter. Il est vraiment en train de lire l'heure. Il est vraiment en train de
Bonsoir Philomène, bonsoir. Il est vraiment au fond du gouffre. Et il essaie par tous les moyens, hein. C'est-à-dire il a d'abord demandé pardon, il a fait des vidéos pour demander pardon à Papa Kanto, à tous les talibans, à la base et tout, mais rien n'est fait. Le mal est là. Et même si moi, il venait me demander pardon à genoux, ça serait comme si c'est le vent qui passait. Voilà, parce qu'on ne peut pas induire les gens en erreur jusqu'à ce point. On ne peut pas avoir des jeunes, encore quand ce sont des vieux roupies, des vieux tortues comme Jean de Dieu, on se dit que oui, ce sont quand même ce sont des hommes d'un certain âge. Mais quand on voit des jeunes comme Billy se prêter à ce genre de jeu, on se dit, mais où va-t-on? Parce qu'il est l'exemple même de la jeunesse, de la souffrance, des gens qui ont pris la mer pour venir chercher une vie meilleure en Europe. Et ils arrivent en Europe aujourd'hui, ils commencent à faire comme ils oublient toute la misère, ils oublient toutes les difficultés qu'ils ont traversées. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, ils replongent dans cette même difficulté. Il est retourné à la case départ. Bonsoir, la tontinade Boulou. Il est retourné à la case départ. Donc, à ses propres origines, et maintenant il va dans l'île. Donc, c'est-à-dire le pays même qu'il était en train de fuir pour une vie meilleure ici, il est retourné là-bas. Et il est de souffrance, il a que de subir les foudres parce qu'il souffre dans sa chair. Quand tu vois quelqu'un aller se faire tremper dans un marécage pareil, c'est de la souffrance psychologique. C'est de la souffrance, c'est une souffrance énorme. Donc, je ne peux pas dire que j'ai pitié de lui parce qu'il ne mérite pas avoir ma pitié, mais dis tout simplement qu'il a joué un rôle qui était très néfaste, qui était très néfaste, et un rôle qui était très néfaste pour la jeunesse camerounaise. Parce que ce sont des gens que les jeunes écoutaient, les gens le prenaient pour un exemple. Il ne manquait même plus qu'on l'invite à la CATV. Aujourd'hui, regardez où il en est. Regardez. Et vous voyez comment il a abandonné à lui-même. Vous voyez comment il est abandonné à lui-même, personne ne le gère plus. On n'a plus besoin de lui, il n'est plus utile. Il était peut-être utile quand il était encore ici, du côté de la diaspora, il était un peu utile. Oui, parce qu'il venait nous affronter sur le terrain. Moi, j'ai eu à côtoyer Billy plusieurs fois, à Lyon déjà, après qu'il ait giflé le combattant. On l'avait arrêté, même pas arrêté. Il y avait eu un face-à-face, et même encore à Lyon, et même quand Max a voulu taper sur lui, il est devenu tout petit et tout. Donc, et encore une deuxième fois ici à l'ambassade du Cameroun, où le jour où on est allé le dénoncer à la police, il était même armé, il avait une arme blanche sur lui. Mais vous voyez comment quelqu'un se balade comme ça, il a une arme sur lui, avec une équipe, il vient faire du mal aux gens qui ne lui ont absolument rien fait. Parce qu'il fait ça pour être bien vu aux yeux du gouvernement, pour qu'après on lui donne quelque chose. Il était devant l'ambassade avec une arme blanche sur lui. Pourtant, il venait comme ça nous faire du mal alors qu'on ne lui a absolument rien fait. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Nous, on vient chasser le dictateur, lui faire part de nos problèmes, lui faire part de nos déboires, mais lui, il vient nous empêcher de nous exprimer. Et même à l'hôtel Meurice, j'allais encore oublier cet épisode à l'hôtel Meurice. Alors c'était encore plus fort parce que quand on a eu affronté Billy à l'hôtel Meurice, il avait les grosses chaînes, il avait les chaînes là, les grosses chaînes que voilà, les concadenas, les portes avec là. Et il lançait ça comme ça. Je vous assure que si ça prenait quelqu'un, on amenait seulement la personne aux urgences. Aujourd'hui, le voilà. Après tout ce mal, il dit qu'il est rené. Ça me fait tout simplement. En fait, moi, j'en parle tout simplement pour qu'on en rigole. Et pour dire aux uns et aux autres que bonsoir, Victorine, bonsoir, Tom Lionel, bonsoir, la team, bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Et bonsoir à mon ami personnel, Papy Monté, qui est malade. Et je te souhaite un prompt rétablissement combattant. Prends soin de toi. Tu vas t'en sortir. Je pense pas que c'est un. Ça va aller, je suis sûr que ça va aller parce que tu es un guerrier. Voilà. Donc, je faisais la parenthèse, Billy Akele, comme ça pour dire aux uns et aux autres que les gens qui pactisent avec ce gouvernement, c'est qu'ils n'ont encore rien compris. Je dis bien, les gens qui pactisent avec ce gouvernement n'ont encore rien compris. Regardez comment. Moi, j'étais à l'hôtel Meurice quand la première dame est sortie donner une enveloppe au Billy Akele, quand ils sont venus nous affronter avec les Camo à la Panthère. Elle est descendue leur donner une enveloppe, leur remercier.
Le gars croyait déjà qu'il était déjà arrivé à un autre degré de personnalité. Bonsoir, Tantina, avec papier. Le gars se croyait déjà arrivé à un autre level. C'est-à-dire pour lui, je pense que du fait que la première dame soit descendue de donner l'enveloppe, les motiver parce qu'ils sont venus affronter la base, il s'est cru avoir des super pouvoirs. Mais regardez-le au Cameroun aujourd'hui. Regardez-le. Regardez ce qu'il est en train de subir. Où sont tous ces gens? Où est la première dame en question? Il a sorti l'arme blanche. Il a bagarré avec des gens. Il a fait tout et pour tout ici. Où est la première dame? Il faisait ça pour qui? Pour l'honneur de la première dame? Non. Est-ce qu'elle le gère maintenant qu'il est au pays? Non. Il est aux oubliettes. Il est aux abonnés absents. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je parlais comme ça de Billy Akele pour faire comprendre aux uns et aux autres que ceux qui font confiance à ce gouvernement se mettent le doigt dans l'œil. Il ne faut pas faire confiance à ce gouvernement. C'est juste des menteurs. Et comme je l'ai dit avant de commencer, vous savez tous, je n'ai pas besoin de vous informer encore, bien de vous rappeler, bien de vous dire encore ce qui se passe. Vous savez très bien ce qu'a subi Paul Chouta, la tentative d'assassinat, la énième tentative d'assassinat qu'a subi Paul Chouta. Nous allons en parler tout au long de ce live. Et également, le but est de lui venir en aide parce qu'il faut le reconnaître. Le gars passe des moments difficiles. Il avait déjà été. C'est la deuxième fois qu'on essaie de l'assassiner. Après cela, il est passé par la case prison. Il est ressorti. Comme il n'est pas resté silencieux, comme il n'est pas resté calme, comme il a continué à dénoncer, ils veulent en finir avec lui. Comme je dis souvent, n'attendez pas que on vous dise que Paul Chouta est mort pour venir dire que oh, rip, oh, il est vraiment le gars-là, il était vraiment bien, ouais, il nous donnait les informations, vraiment, oh, ceci, oh, cela. Non. Quand vous voyez l'état dans lequel ce garçon est, quand vous voyez la façon dont il a été amoché, on l'a tapé comme on tape un serpent, tu te demandes ce qu'il a bien pu faire. Tu te demandes ce qu'il a bien pu voler. Tu te demandes ce qu'il a pu à ce gouvernement pour qu'on mandate les gens, pour qu'on commandite les gens pour aller l'enlever, le taper, le déshabiller, le laisser tout nu. Presque mort et parti. Tout simplement parce qu'il dénonce, tout simplement parce que chaque jour qui passe, il dit les vérités. Et depuis que la grève des enseignants a commencé, il fait partie des gens qui ont vraiment pris ce problème à bras le corps. Tous les jours, il dénonce, il publie, il partage, il partage, il partage, il partage. Et je pense que le gouvernement ne veut pas de ce genre de personnes au Cameroun. Oui, il n'est pas à sa place, comme disent certaines personnes. Les humains, tous, ont eu la chance, je peux même pas la chance, sont assez loin de ce gouvernement. En fait, tu ne peux pas être au Cameroun et dénoncer. Si tu es au Cameroun, tu dois rester tranquille. Tu dois plutôt suivre le gouvernement. Tu dois plutôt dire les choses qui plaisent. Si tu es au Cameroun, éteins la lumière. Si tu es au Cameroun et tu dénonces, tu deviens un ennemi. Tu deviens un homme à abattre. Bien sûr. Il y a Farah? D'accord. Tu deviens un homme à abattre. Donc, vous avez tous vu les photos sur la toile. Sa pilule de partout, comment il était molesté, tabassé correctement et bien, comme j'ai dit, comme un serpent. Donc, vous avez vu, il y a un lien qui est épinglé là. Matin à Tangana, il devait partir du pays depuis, il y a quoi à Yaoundé, ils font. Vous pensez que partir du pays est facile? Regardez Longuet, Longuet. Tout le monde me dit ça depuis hier. Oh, pourquoi tu dois partir du pays? Oh, il doit partir du pays. Regardez Longuet, Longuet. Vous ne connaissez pas ces gens. Vous jouez avec les démons. Vous ne connaissez pas ces gens. Vous jouez avec les démons. Quelqu'un comme Paul Chouta pour qu'il sorte du pays, là, maintenant, ça va être très, très, très difficile. Ça va être très difficile. Mais vraiment difficile. Parce que ses téléphones sont sur écoute. Il est surveillé. Il est suivi. C'est-à-dire, pour qu'il bouge de là où il est là, ça va être hyper compliqué. Il est. Dans la gueule du loup, il ne peut pas faire, il ne peut pas, il doit seulement rester là. Regardez Longuet, Longuet. Vous vous souvenez, Longuet, Longuet a demandé pardon. On lui a même remis son passeport et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. L'année dernière, en septembre dernier, quand Valsero faisait son spectacle au Zénith, on avait invité Longuet, Longuet, non? Vous l'avez vu, il est venu.
Donc, est venu. Donc, ne peut pas sortir du Cameroun. Il ne peut pas. Pourtant, on lui a mis son passeport. Hein. Il ne peut pas. Il préfère le garder là-bas au Cameroun. On sait que, étant là-bas au Cameroun, il dit 20% de ce qu'il pouvait dire. À l'extérieur, il va dire 10 000%. Donc, on le garde au Cameroun. Oui, Missoul, on le garde au Cameroun. Il ne peut pas sortir. Avant, on nous consulte le passeport de Longuet. Il voyageait. Il partait au Canada. Il partait, il revenait. Il partait, il revenait. Il partait, il revenait. Il ne peut plus. Donc, Paul Chouta, ça va être la même chose. Ça dit, tu es là. Tu ne peux pas sortir. Tu es là. Il te garde là. Pour mieux te maîtriser. Pour faire de toi ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Donc, quand vous dites, il faut qu'il parte de là, il faut. S'il va demander le visa à l'ambassade de France, on va lui refuser. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous savez très bien que monsieur le président, monsieur Guilou, est le président du Cameroun. Il ne peut pas donner le visa à Paul Chouta, même à Longuet. S'il va demander le visa à l'ambassade des États-Unis, ça va être compliqué. Il est obligé de rester là. Vous pensez que ceux qui sont au Cameroun, c'est parce qu'ils veulent trop rester. Longuet, vous pensez qu'il veut rester au Cameroun? Parce que les gens ne font que dire, oui, depuis qu'il est sorti de prison, pourquoi il est resté? Il ne reste pas là parce qu'il veut rester. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé de rester. Il est obligé. Oui, il est obligé. Donc, vous avez donc tous vu... On parle, mais la caméra ne bouge pas. Je vois bien, personne ne clique sur le lien pour cotiser. Il faut cliquer sur le lien, il faut tontiner, parce que Paul Chouta a besoin qu'on lui vienne en aide. Voilà, il faut cliquer sur le lien, il faut tontiner, il faut mettre ce que vous avez. Vous avez vu comment il est amoché, tout. Il faut qu'il suive, il faut qu'il fasse des examens, qu'il fasse je ne sais pas comment dire, des scanners, parce que tous les coups qu'il a pris sur la tête, au cou, tout ça, tout le sang qu'il a vomi du sang, il faut qu'il soit bien examiné, qu'on s'assure vraiment qu'il va bien, quoi, et qu'il puisse au moins aussi se nourrir, se soigner, et voilà, qu'il puisse tenir le coup. Voilà, qu'il ne se sente pas seul, parce que le plus dur dans tout ça, c'est quand tu te sens un peu abandonné. Vous savez, à chaque fois que ces gens sont au pays, ils nous fournissent des informations, ils dénoncent. Vous pensez que c'est facile? Ah, merci beaucoup Aline, merci ma chérie, merci, merci ma lionne, merci, merci ma princesse. Ah, vraiment, je n'ai même pas osé venir dans ton inbox le tout. Si j'ai dit que non, j'ai déjà trop asphyxié la main là, il ne faut pas qu'elle vienne encore la provoquer. Donc, comme tu es venu de toi-même, vraiment ma lionne, merci, merci beaucoup. Donc, vous voyez très bien ce qu'il endure. Donc, n'attendez pas que je vous dise, oh, vous voyez, on l'a encore tabassé avant-hier ou bien hier. Finalement, il est mort. Pierre, merci Pierre. Pierre de moi. Oui, oui, Pierre, oui, je sais. Oui, mon grand. Oui, merci. Donc, n'attendez pas. On doit le soutenir. On doit l'encourager. On doit l'encourager. Il a besoin de se faire soigner. Il a besoin de reprendre des forces. Il a besoin de tenir. Et ils ne peuvent tenir que si on les tient par la main, s'ils savent que de l'autre côté là-bas, il y a la famille qui nous accompagne. C'est pour cela que United for Cameroun a décidé de faire un lien dédié pour Paul Chouta, pour que chacun puisse mettre ce qu'il va mettre dedans et qu'après, on puisse l'accompagner, l'aider avec cela. Donc, en ce moment, on n'a pas encore atteint 200 euros dans la cagnotte. Donc, franchement... pour tous, avec tout ce que Paul Chouta a fait, avec tout le dévouement, avec toutes les informations qu'il nous donne, je trouve qu'on n'est pas assez reconnaissant. Je trouve qu'on n'est pas reconnaissant à son égard. Je trouve qu'on n'est pas reconnaissant. Voilà. Il mérite mieux. Il mérite notre soutien, il mérite notre accompagnement. Il mérite de savoir qu'il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'encouragent. Il y a des gens... Si tout le monde quittait le Cameroun, il n'y a plus personne au Cameroun. C'est vrai que même étant hors du Cameroun, on a des informations, on continue, peuvent toujours continuer à nous donner des informations. C'est vrai que ce qui est ce qu'on aspire tous à ce qu'ils sortent de cette gueule du loup dans laquelle ils se trouvent. C'est notre souhait à tous. Ça va être difficile, mais nous allons y travailler. Et vous savez, rien ne se fait sans argent, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui. Si vous voyez comment Billy Akele est parti encore plonger dans le marécage pour renaître, c'est parce qu'il a
Il espère que sa vie va changer après être tombé dans l'eau, comme il est tombé dans l'eau là. Il va renaître de nouveau. Il espère grâce à ça que peut-être les gens qui demandent depuis là vont peut-être venir se retrouver dans son porte-monnaie. Donc, je vous invite massivement à cliquer sur le lien qui est épinglé là et à tontiner pour qu'on puisse accompagner Paul Chouta dans... Merci mon mari Tontina Papier, merci mon père, merci. Alors moi j'ai le sourire aux lèvres parce que mes gens tontinent, les gens de moi tontinent, les gens qui font confiance. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent se connecter. On va partager encore le direct parce que la nuit va être longue. Partageons. Pour qu'on soit plus nombreux, parce que plus on partage, plus d'autres personnes viennent, plus ils voient le lien et plus ils vont aussi tontiner. Et c'est comme ça que l'argent va augmenter et la cagnotte va grimper et Paul Chouta pourra être mieux soutenu. Bonsoir et belle Cynthia. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Pendant ce temps, je vais vous montrer le petit reportage. Vous voyez, parce que les gens pensent que Paul Chouta, quand je dis qu'il a été bien bastonné, bien amoché, les gens pensent que c'est la blague. Je vais vous montrer la vidéo. Dans laquelle Equinox est allé à son chevet et encore. L'agresseur non identifié, Paul Chouta, kidnappé à la sortie de son domicile et roué de coups de poing, menacé de mort. Il n'a eu la vie sauve que grâce au passage de conducteurs de moto qui a fait fuir ces différents agresseurs. Quelles étaient leurs véritables motivations, eux, qui l'ont humilié et roué de coups de poing. Il se retrouve dans un état désolant. Il s'exprime dans ce reportage signé Jean Lessingué et Ben Christine Audion. Le lanceur d'alerte Paul Chouta a été victime d'une agression à Yaoundé. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 mars au quartier Damas. À peine je sors, je mets le pied à l'extérieur, un individu paraqué. Il vient comme si vous me faites une accolade, mais il me porte, il traverse, il va de l'autre côté de la route avec nous. Quand je suis prêt, puisque je me regarde, son visage ne m'est pas familier, je commence à crier. Deux autres de ses compagnons, il commence à me lever le cou, il me porte. Je crie pour arrêter les gens qui étaient à côté, que non, sauvez-moi, appelez mes frères à l'intérieur. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont dit à ces gens, ils m'ont porté de force. Ils m'ont jeté dans le véhicule, ils m'ont conduit jusqu'au nouvel autoroute là, il y a un décimal. Au coup de chemin, il m'a rué de coups au ventre, au niveau de la coupe, au visage. Donc celui qui était assis devant me donner les coups au visage, c'était qui était à côté. J'essayais de me battre comme je pouvais. Ces sévices corporels ne sont que le début d'une longue série. Ils ont pris des bâtons de mort et des pieds, je ne sais pas si c'était dans le véhicule. Ils ont commencé à me frapper partout, visage partout. Même au niveau du cou, si vous observez bien, vous voyez qu'il y a une chance là. Au niveau de la nuque, ils m'ont frappé à plusieurs reprises. Donc ça m'a donné un coup ici, où je suis tombé, j'ai commencé à vomir du sang. J'ai commencé à vomir, malgré ça, ils continuaient à me dire, le lanceur d'alerte sera par la suite abandonné. Vous voyez, donc on le tape bien et on lui dit il est trop têtu. Il est trop têtu pourquoi? Parce qu'il continue à dire des choses. Il continue à dénoncer sur sa page. Il continue à nous donner des informations. Il continue à nourrir notre esprit, effectivement, parce que c'est ça, parce que les informations qu'il nous donne sont réelles. Regardez, et je pense que c'est encore même plus par rapport à la grève des enseignants qui se vit en ce moment au Cameroun. Parce que depuis que cette grève est sortie, Paul Chouta ne lâche pas l'affaire. Il dénonce, il publie moindre chose, il a déjà publié, Et on savoir, ça se voit très bien qu'il est du côté des enseignants. Et ça, ce sont des choses que le gouvernement n'aime pas. Donc, vous voyez comme ça qu'on est parti enlever le jeune garçon d'autrui. On l'a molesté, laissé pour mort. Donc, je pense qu'il a eu la... Ça dit, je pense que c'est seulement parce que, comme on dit... Nos ancêtres veillent sur lui. L'enfant s'est serré d'un mort depuis. Il n'est pas mort pour la première fois qu'on l'a arrêté. On est parti le taper. Il n'est pas mort en Konengi. Voilà encore la troisième fois. Mais ils finiront par l'avoir, l'usure. Ils finiront par l'avoir. Et on ne va jamais arrêter ceux qui lui ont fait ça. Parce que c'est entre eux. On ne va jamais arrêter ceux qui lui ont fait ça. Jamais. Et quand vous voyez les Camerounais, quand vous voyez même ceux qui ont fait ça, quand on demande à quelqu'un, on vous donne un peu d'argent pour aller arrêter votre frère et le bastonner et le tuer. Vous partez le faire. Après, vous rentrez chez vous, dormir tranquille. Vous restez comme ça, tranquille. Vous vous dites que... Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des Camerounais. Je ne sais pas ce qui peut bien se passer dans votre tête, dans votre esprit,
qu'on vienne comme ça, on te dit, voilà, pardon, voilà 100 000, voilà 150 000. Va taper le gars là, tu pars, tu le tapes jusqu'à tu veux le tuer, alors qu'il ne t'a rien fait. C'est à cause de Paul Chuta que les enseignants grèvent, ou bien c'est à cause de lui qu'il y a la misère au Cameroun. Non, c'est pas à cause de lui. Vous voulez le tuer pourquoi? Vous voulez le tuer pourquoi? Celui qui met les têtes de mort là, si vous le connaissez, donnez-moi son nom que je le bloque directement. Vous voulez le tuer pourquoi? C'est à cause de Paul Chuta qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun, bien qu'il n'y a pas la lumière quelque part. C'est lui le président. Vous voulez le tuer pourquoi? Vous voulez tuer l'enfant de tuer pourquoi? C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Vous prenez vos enfants, vous les envoyez partout à l'étranger, dans les pays du tiers monde. Aucun de vos enfants n'est au Cameroun. Mais ceux qui sont là-bas même, vous voulez seulement les tuer. Vous voulez le tuer pourquoi? Il vous a pris quelque chose. Donc on ne doit même plus avoir les informations du Cameroun. On ne doit même plus parler. On ne doit plus soutenir nos enseignants qui grèvent. Merci beaucoup, Tom Lionel. Merci infiniment, mon fils. Merci. Vous voulez le tuer pourquoi? Il a volé votre chose. Il vous a pris quelque chose. Il ne vous a rien pris. Donc, je vous invite encore massivement à joindre, à nous retrouver dans la tontine. Ceux qui viennent de se connecter, nous sommes en train de faire la grande tontine pour soutenir Paul Chuta. Bonsoir, Christiane Kameni. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, et ceux qui veulent réagir dans l'émission, je vais mettre le numéro d'appel tout à l'heure pour ceux qui voudront appeler. Je vais mettre le numéro tout à l'heure parce qu'on doit aussi parler de ce réseau de pédophilie qui était démantelé à Douala, de ces jeunes garçons de 15 ans qui se font prendre par derrière pour de l'argent. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais ceux qui veulent intervenir directement dans le direct, entrer, faire le direct avec moi, peuvent envoyer l'invitation. Et je prendrai et ils pourront intervenir. Mais pour les appels, je mettrai le numéro après. Et tous ceux qui voudront s'exprimer pourront appeler. Voilà. Donc, je vous invite encore à partager massivement le direct. Et également à tontiner, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tontinons. Oui, Paolo, c'est la milice. Mais avant de parler de la milice, tontinons d'abord. Parce que si on le laisse comme on le laisse là, sans soin, s'il ne se soigne pas, s'il n'est pas soigné, si on ne s'occupe pas de lui, ils reviendront encore ce moment-là, il n'aura même plus de force pour se défendre. Donc, occupons-nous déjà de le faire se soigner, de lui faire reprendre des forces, de lui faire être debout avant qu'il ne vienne encore l'achever, au moins qu'il est debout. Montrons-lui qu'il n'est pas seul. Voilà, il doit savoir qu'il n'est pas seul. Il doit savoir qu'il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'accompagnent, il y a des gens qui le soutiennent dans ce qu'il fait. Bonsoir, Annie. Il doit le savoir. Il doit savoir qu'on ne peut pas l'abandonner. Il ne sera jamais seul. Je refuse qu'on l'abandonne. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. On ne peut pas venir prendre l'enfant de quelqu'un. Il ne s'imagine pas que Paul Chuta a une mère, il a un père, il a des enfants, il a une épouse. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas venir prendre l'enfant de quelqu'un comme ça, aller le molester, tabasser, venir le jeter comme ça et partir sans être inquiété. C'est le Far West. Le pays vous dépasse à gérer, vous en prenez aux pauvres, vous en prenez aux gens qui sont aux innocents. Les enseignants vous demandent leur argent, vous demandent leur salaire. Ami Doué est mort, 10 ans sans salaire. C'est la faute de Paul Chuta? Est-ce que c'est la faute de Paul Chuta? Est-ce que c'est Paul Chuta qui demande aux enseignants de gréver? C'est lui qui coupe l'eau au Cameroun? C'est lui la cause de notre misère? Non. Le pauvre ne fait que dénoncer. Voilà un Camerounais courageux. Hein? Voilà, un Camerounais courageux, il était de la même temps que Ebala. Voilà Ebala qui en connaît qui. Parce qu'ils ne veulent pas de ces jeunes qui peuvent parler. Ils ne veulent pas de ces jeunes qui peuvent dénoncer. Ils veulent seulement des jeunes qui vont être comme les Billy Akele, les Amer Kamer, en train de mentir, de dire que tout va bien. Ils veulent des jeunes comme Steve Fa. Ils veulent des jeunes comme Steve Fa. Voilà, ce sont des jeunes comme ça qu'ils veulent. Des jeunes comme Steve Fa. Qui sont à leur merci, qui les suivent, qui accompagnent leur mensonge, qui racontent leur mensonge partout. Voilà ce genre de jeunes personnes qu'ils veulent. Mais des jeunes comme Ebala, comme Paul Chuta, comme les Humantou, les Michel Biemton et ça, ils n'en veulent pas. Parce que ce sont des jeunes éveillés qui ont refusé la corruption parce qu'ils veulent un Cameroun nouveau, ils veulent un nouveau pays, ils veulent que les mentalités changent. Si Paul Chuta voulait être corrompu, il aurait été corrompu depuis. S'il voulait prendre sa part d'argent à manger et rester tranquille, il aurait déjà pris sa part d'argent à manger et rester tranquille depuis et ne plus nous donner les informations qu'il nous donne là. Mais on a besoin de ces informations. Parce qu'on a besoin de savoir, nous qui sommes à l'extérieur, de savoir comment le pays tourne, comment le pays fonctionne, comment les magouilles se font. Vous n'allez pas tuer tous nos enfants.
Vos enfants ne vont pas être à l'abri, bien protégés. Et ces enfants des autres que vous allez prendre pour faire la chair à canon avec. Non? On ne va pas vous laisser tuer, tuer nos enfants comme ça. Ce n'est pas possible, ça. Ça, c'est quel pays? C'est quel pays? C'est quel pays, ça? Quelqu'un ne peut plus parler. Quelqu'un ne peut plus moufter. Quelqu'un ne peut plus critiquer. Si vous ne voulez pas qu'on critique, mais faites donc, gérez bien le pays. Faites les choses normalement. Arrangez le pays. Payez les salaires des gens. Payez les salaires des gens. Mettez-nous de l'eau, de la lumière. Arrangez-nous les routes, les hôpitaux. Comme ça, on ne va plus vous critiquer. Quand on va critiquer, vous allez dire que non, voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Bien, vous allez dire comment? Merci Emmanuel, merci beaucoup, merci, merci, merci infiniment, merci à tous les donateurs, merci, je vous remercie infiniment, je vous remercie franchement du fond du cœur, je vous remercie. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai dans le cœur quand je vois quelqu'un tomber, je vais me dire, parce que je sais comment c'est difficile, je sais comment ça va être, ça va porter du réconfort à Paul Shuta. Je l'ai eu au téléphone hier, je n'ai pas pu l'avoir aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone hier, et j'avais même de la peine à échanger avec lui parce que quand tu vas avec quelqu'un et tu ne sais même pas comment lui remonter le moral. Est-ce que je lui ai demandé ça va alors que je sais que ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux bien lui dire en dehors de lui dire, tiens le coup, accroche-toi, tu n'es pas seul, on va t'accompagner. Et comme vous savez, tous les enfants du Cameroun, c'est toujours oui, ma mère, oui, ma mère, oui, ma mère, oui, ma mère. Oui, ma mère, oui, ma mère, oui, ma mère, oui, ma mère. Ne laissons pas ces enfants comme ça. Ne les abandonnons pas. Ils ont besoin qu'on les aide. Ils ont besoin qu'on les aide. Vous ne savez pas comment ça peut être difficile. Moi, depuis que j'ai vu comment on a tapé ce gars, j'ai tellement mal, en fait. Je me dis, mais comment les gens peuvent se comporter comme ça dans un pays, faire comme si tout les appartenait, ne pas être inquiétés. Je me dis, ce n'est pas possible. Nous devons l'aider. Et tout le monde me dit, VDK, il faut le faire sortir de là. VDK, il faut le faire sortir de là. Est-ce qu'on fait sortir quelqu'un comme ça? On fait sortir quelqu'un comme ça de l'enfer facilement? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ne l'abandonnons pas, s'il vous plaît. Ne le laissons pas tout seul. Il a besoin qu'on l'aide. On est là, on est presque 80 personnes. Si chaque personne mettait 10 euros. Il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on lui tienne pas la main. Bonsoir, Kenzo Choco. C'est comment? Voilà. C'est difficile, hein? C'est difficile. AX, merci pour les 10 euros. Merci infiniment. Comme j'ai dit, merci. Franchement, j'ai beaucoup de joie au cœur pour vos dons, pour vos participations. Je ne m'attendais pas à autant de générosité de votre part, mais je me suis dit qu'il ne risque rien à rien. Les Camerounais ne sont pas si insensibles que ça. C'est vrai que les gens veulent toujours nous diviser, veulent toujours nous séparer, mais comme je dis, on ne tire pas sur quelqu'un, sur un soldat à terre. C'est dur, mais nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Il faut qu'on le soutienne, il faut qu'on l'accompagne. Il a besoin de nous. Et Paul Shuta n'est en aucun cas responsable des misères du Cameroun. Ce n'est pas lui qui gère le pays. Il dénonce, c'est un journaliste d'investigation et il dénonce et il dit les choses. Il y a des fois, il se trompe. Il y a des fois, peut-être, il a eu à offenser des gens. Il y a des fois, il a eu peut-être à blesser des gens. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une raison pour qu'on le laisse mourir. Ce n'est pas une raison. Voilà, donc franchement, cliquez sur le lien. Cliquez sur le lien, je vous en supplie, et mettez ce que vous avez. L'argent n'est pas, ça ne va pas dans ma poche. Hein. Vous voyez bien que c'est un lien de United for Cameroun. C'est la plateforme de levée de fonds sur sécuriser. Cinq fois, ne cherche pas son frère. Vous n'allez, on ne va plus dire que Villageur du Cadre n'a plus l'argent pour payer ses factures avec, même pour payer sa maison avec. Je ne sais même pas où ça part. C'est United qui gère tout. Moi, mon rôle, c'est seulement de venir vous supplier, vous convaincre que c'est important de soutenir et d'accompagner Paul Shuta dans la période difficile qu'il traverse en ce moment. Ça, c'est uniquement mon rôle. Tout l'argent que vous mettez va directement sur la plateforme United. Ça ne part pas dans un PayPal Villageois du Quad, c'est un
C'est la plateforme United for Cameroun. Vous voyez bien le lien qui est là. C'est United for Cameroun, une plateforme sécurisée. Voilà, l'argent ne passe pas entre les mains de plusieurs personnes, non. Donc, l'argent que vous allez donner ce soir et que vous allez peut-être donner encore demain parce que ça ne va pas s'arrêter ce soir, ça va continuer pendant un bon bout de temps pour que la somme puisse être conséquente. Vous savez, si on envoie Apple Shooter 200 000, 300 000, ça va vite se volatiliser parce que déjà, les frais d'hospitalisation, tout ce que la DA a subi, c'est depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ça chiffre, ça ne rigole pas. Bonsoir Nengue Gervais, bonsoir ma personne. Et encore merci pour la tontine, mon grand. Merci infiniment. Merci. Voilà. Donc, oh là là, justice. Merci pour les 100 euros. Merci Amos. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez vu, moi j'ai vu avec vous, beaucoup de personnes ont dû le voir, je vais vous montrer encore ce brin de reportage tout à l'heure, parce que vous savez, moi, tout ce qui est prostitution, tout ce qui est lié aux enfants, c'est quelque chose qui me touche et m'affecte beaucoup. Bonsoir, Marcelo Lippi. Donc, ça m'affecte beaucoup. Et je ne peux pas rester insensible à ça. Donc, j'ai vu sur la chaîne Equinox un reportage sur des jeunes garçons. Ça variait de 18 à 15 ans. Il y a un très grand réseau de pédophilie qui a été démantelé. Mais alors, ce n'est pas un pédophilie que... Bon, je vais vous montrer comme ça, nous allons... Vous allez voir par vous-même. Entre-temps, tontiner. Oui, Pierre, Paul Chuta, normalement, il est marié, hein, mais vous savez, je pense que c'est lui qui ramène l'argent à la maison. C'est pas sa femme. Hein. C'est lui qui ramène l'argent à la maison. Il semble banal, comme une simple affaire de vol de portable qui va se retrouver au marché PK14. Celle que nous appellerons Céline se fera dériver son téléphone portable par un jeune homme que nous nommerons Miguel lors d'une séance de travail toute particulière. Contactée par un anonyme, Céline se rendra au lieu dit PK14 pour rentrer en possession de son dû, sans se douter qu'il s'agit en fait d'un guet-apens. Une fois sur les lieux, Céline et son accompagnateur vont être pris à partie par les populations qui contacteront le commissariat du 13e arrondissement, proche des lieux, diligenté par le commissaire Ouna Patrick. Tout part d'une altercation au niveau du marché PK14 avec trois jeunes enfants. Trois jeunes hommes qui, dans leur altercation, vont attirer l'attention des populations. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver au niveau du commissariat et nous allons très rapidement comprendre le différend qui les oppose. Il s'agit de Mickaël, âgé de 16 ans, qui présentait non seulement des douleurs, mais aussi une rectoragie, c'est-à-dire qu'une saignée au niveau de l'anus. En d'autres termes, l'adolescent se serait fait abuser sexuellement et sodomiser. Céline passera aux aveux et donnera à l'officier de police, Joseph Boukoudaï, et à l'enquêteur en charge de l'affaire, le lieu exact où se sont déroulés les faits. Immédiatement, les éléments du commissariat du 13e arrondissement se mettent en branle. Direction le quartier Ange-Raphaël dans le 5e arrondissement. Ce serait dans cet immeuble que Mickaël aurait subi toutes sortes d'attouchements. Merci Tom Lionel, merci mon fils, oui, merci infiniment pour ton don, merci papa, merci. Voilà, je vais aller voir la vidéo. J'espère que vous suivez très bien ce qui se passe. Donc, à l'arrivée du commissaire et de ses éléments, un étrange jeu va se jouer sous nos yeux et hors caméra. Franck, le présumé coupable, ayant eu connaissance de la présence de la police sur le pas de sa porte, fera jouer ses contacts. Et le commissaire Ouna recevra un appel directement en provenance de Yaoundé, lui interdisant de mener une quelconque perquisition en ce lieu. Cependant... Vous entendez? Donc,
Le commissaire Oona s'en va comme ça pour perquisitionner le domicile du monsieur chez qui les enfants vont se faire généralement sodomiser. Et donc le monsieur du domicile appelle directement ses contacts à Yaoundé. Et c'est de Yaoundé qu'on appelle le commissaire pour lui dire de ne pas accéder, de ne pas entrer dans la maison, de ne pas faire la perquisition, de ne pas perquisitionner les lieux. De Yaoundé. Hein? De Yaoundé. Vous vous souvenez quand l'affaire Ngambri s'était passée ici, je vous avais dit que ces gens aiment la chair fraîche, fraîche. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que je n'aimais pas les orphelinats et les internats pour ces choses-là. Ces gens aiment la chair fraîche, fraîche. Donc, loin à Yaoundé, on sait qu'à Douala, il y a une maison où on a les jeunes garçons de 15 ans, 14 ans, 18 ans. Donc, quand nos barons veulent s'amuser, veulent avoir de la chair fraîche, le gars qui est à Douala les prépare des jeunes garçons vierges. Et les gars, les barons descendent se mettre à l'aise tranquillement sur les enfants d'autrui. C'est de Yaoundé. Donc, à Yaoundé, on sait ce qui se passe dans cette maison. Il appelle Yaoundé, on dit au commissaire qu'il s'en va faire une perquisition de ne pas accéder. Le commissaire, étant têtu, a donc appelé le procureur de Douala. Et c'est là où on l'a laissé. On l'a laissé le feu vert pour qu'il entre. Vous comprenez? C'est de Yaoundé. Donc, c'est pas... On a l'impression d'avoir affaire à une histoire très... Non, c'est nouveau, on est personne au courant, ça ne se fait pas. Non, vraiment, vous parlez de quoi comme ça? Non, ça se fait. Ils sont au courant parce que c'est eux-mêmes qui consomment cette chair fraîche. Qui? Vous pensez qu'un pousseur va payer 50 000 francs pour prendre quelqu'un, pour prendre un enfant de 15 ans par derrière? Non, le pousseur n'a pas 50 000. Le pousseur n'a pas 50 000. Le pousseur n'a pas 30 000 pour payer. Il faut que ce soit les gens qui ont un peu. Ce sont les gens qui ont un peu qui peuvent payer ce genre de montant. 50 000 pour prendre un enfant de 14 ans, 15 ans, pas derrière. 50 000 francs sur le salaire de quelqu'un. Quel pousseur peut s'offrir cela? Quel petit débrouillard peut s'offrir cela? Non. Donc, il n'y a que ces barons qui peuvent s'offrir cela. C'est leur fief, c'est leur endroit. C'est là-bas qu'ils viennent. Ils laissent leurs enfants chez eux. Leurs enfants sont à la maison. Ils dorment avec leurs nounous. Maman veille sur eux. Les gardiens veillent. Les gardiens sont au portail. Les gardiens sont partout. Ils entrent dans leur grosse voiture avec les vitres fumées. Ils s'en vont finir avec nos enfants au quartier. Je vous explique clairement que est-ce qu'un pousseur peut payer 50 000? Non. Est-ce qu'un vendeur d'eau peut payer 50 000? Non. Est-ce que même celui qui achète, qui vend la friperie peut sortir 50 000 comme ça facilement? Non. Donc, c'est pour vous dire que le monsieur qui tient cette maison à Douala, il le tient parce qu'il y a des barons qui viennent se faire plaisir, se mettre à l'aise, prendre la chair fraîche. Je vous avais dit que quand vous avez vu Ngami, on a dit qu'il a une association. J'ai dit que l'association des orphelins, dit que ça c'est là où elle prend les jeunes filles pour aller donner aux membres du gouvernement. Je l'avais dit. Et ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne uniquement comme ça. Merci beaucoup, Denise. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va terminer le petit reportage. On va terminer. Vous allez voir la suite. Quelques minutes plus tard. Oula. L'effet aurait pu sembler banal. Non. Le procureur près du tribunal de Ndokoti délivrera aux équipes un mandat de perquisition. Après avoir enfoncé la porte, à l'intérieur, c'est un domicile a priori normal. Regardez bien. Sauf que le gros des scènes se tournait dans les chambres. C'est le haut niveau. Une fois dans ces dernières et après fouille, la police découvrira une cargaison entière de lubrifiants. Mickaël reconnaît les lieux. J'étais ici à 14. Mes amis sont venus me prendre. Si j'ai bien. Les grands qu'on appelle femmes.
qui vend les habits. Nous sommes arrivés là-bas vendredi soir. Samedi, Franck est venu me voir, me proposer une somme de 50 000. 50 000 que j'avais lui. J'ai donc refusé. Dimanche est passé, comme il ne pouvait pas fuir, il nous a enfermés dans la porte, il est parti avec les clés. C'est ici qu'il m'a ramené pour me proposer 50 000 pour coucher avec moi et puis a refusé. Il nous raconte avec plus de détails les conditions dans lesquelles il a été séquestré ici. Et lundi matin, c'est dans cette chambre. Je suis celui qui est donc venu avec trois gaillards, ils m'ont arrêté de force. Et vu lui-même, Franck m'a pété. Mon année, je suis celui que tout s'est passé. Il criait, il s'embrouillait au salon, il comprenait, mais il n'est pas venu, rien. Quand ils ont fini de faire, je suis sorti, il courait dans mon salon, lui, il était sur mon télé, il se moquait de moi, bon, il connaissait là tout ce qui devait se passer. C'est ça qu'il a utilisé. Mickaël ne serait pas la seule victime de ce présumé pédophile proxénète. D'autres jeunes auraient déjà subi le même traitement par l'entremise de ce fameux Zambo. C'est des 14, ce Zambo qui vient de prendre là-bas pour venir ici avec. C'est vrai qu'il a amené l'enfant pour se faire sodomiser. Mon point de vue, c'était pas amener mon ami pour qu'il se fasse sodomiser. C'était pour qu'on s'en ensemble. Tout se passait bien, il était calme. Moi, je pensais que c'était fini. Maintenant, il me rappelle encore. Il me pose la même question, il parle de 50 000. C'est là que nous avons cédé. Oui, le monsieur en question, je suis avec nous, nous avons commencé à vendre. Il m'a appelé dans sa chambre, il m'a proposé 50 000. Comme j'étais aussi en besoin, j'avais aussi besoin, parce que je voulais faire plein de trucs. J'ai dû accepter. Donc, vous voyez, il a proposé 50 000. Et comme le petit était dans le besoin, il voulait faire des trucs, il a aussi accepté. Voilà une jeunesse. Voilà nos enfants. Voilà nos enfants. Voilà le pays de Pomba. Vous allez me demander est-ce que c'est de la faute de Paul Biya. Vous allez me demander est-ce que c'est de sa faute. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que c'est Paul Biya qui a demandé qu'on sodomise les enfants là? Est-ce que c'est Paul Biya qui... Est-ce que... Vous allez me poser la question. Voilà. 14 ans, 15 ans. 18 ans maximum. Ça dit que la chair est bien fraîche. Voilà à quoi est livrée notre jeunesse. Voilà à quoi est livrée nos enfants. Vous allez dire, ah, villageois du Quat, ah, tu aimes trop parler. Mes enfants sont couchés, hein. Ils sont là à la maison. Parce que ces gens qui sont dans l'obscurité là-bas au Cameroun, qui n'ont jamais vu la lumière, qui n'ont jamais vu l'eau, qui boivent l'eau du puits que Billy Akile allait se rincer là-bas dedans aujourd'hui, qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas de quoi vivent leurs enfants. Qui ne savent même pas où dorment leurs enfants. Qui ne savent même pas s'ils ont mangé. Quand vous voyez l'enfant de 15 ans, l'enfant de 15 ans, 16 ans, aller se prostituer, c'est parce que les parents ne suivent pas. Les parents n'ont pas les possibilités. Mais quand on veut parler sur Facebook, c'est eux qui vont nous insulter. Hein? Ils vont nous parler le français, même plus que les Français. Regardez. Quand on est allé chez le monsieur pour perquisitionner, il appelait qui? Il appelait Yaoundé. Voilà à quoi est livrer la jeunesse camerounaise. Tout ce qu'on pratique ici dans nos pays, le pays occidental où nous nous trouvons là, ces barons-là ramènent tout ça au Cameroun. Ils viennent pratiquer. Et ce qui me tue, c'est qu'ils laissent leurs enfants à la maison. C'est-à-dire que c'est le pauvre qui est le bétail du riche. C'est tous les enfants du pauvre qui viennent faire toutes leurs expériences. Et ils savent qu'on ne va rien leur faire. Ils savent qu'on ne va rien leur faire. Le monsieur qui tient cet établissement, on va l'arrêter. Le lendemain, il va être dehors. Il va encore nous ouvrir un autre établissement. Il va encore aller ouvrir la même maison dans un autre quartier. Ainsi de suite. Tantinons pour Paul Chuta, s'il vous plaît. Le Cameroun, c'est l'enfer, mon fils. Kenzo, le Cameroun, c'est l'enfer. Les gens, quand je vois les gens défendre ce Cameroun, je me dis, c'est parce que les gens sont très égoïstes, les gens sont très méchants. C'est-à-dire que le Camerounais, dès que sa vie est meilleure, il oublie les autres. Le Cameroun, c'est l'enfer sur terre. Il faut vivre là-bas pour comprendre. Vous n'avez pas suivi l'affaire qu'il y a un monsieur qui a violé un bébé de 3 ans jusqu'à ce qu'elle est morte? Vous n'êtes pas au courant? Jusqu'à ce qu'elle est morte, j'ai dit 3 ans. Trois ans. Vous n'êtes pas au courant. Ou bien vous avez dit qu'on a encore inventé.
qu'on invente ça pour détruire, pour salir l'image du Cameroun. Hein? La famille, tentinons pour Paul Chuta, s'il vous plaît. Sauvons-le quand il est encore en vie. N'attendons pas qu'il meure pour commencer à chanter partout, rip, aller mettre les rip partout, rip, 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 rip. On dirait que le rip peut ressusciter quelqu'un. Le rip n'a jamais ressuscité quelqu'un. Quand on a mis la photo de Paul Chuta sur la toile, avec les publications, j'ai vu le « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ne paye pas les factures à l'hôpital. Oh mon Dieu, n'achète pas les médicaments. Le « Oh mon Dieu » que vous écrivez là, « Oh Seigneur, sauve-le, ça ne paye pas les factures. Oh mon Dieu, oh c'est monstre, c'est l'argent, il n'y a que l'argent pour l'aider. » On pouvait crier « Oh mon Dieu » là comme ça, tous les jours sur la toile, ça ne va rien changer à son triste sort. Oui, ça ne va rien changer, rien du tout à son triste sort. Tout ce qui peut l'aider actuellement là où nous sommes là, c'est un peu d'argent. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas quelque chose qui prend la pharmacie pour rien. Pour aller se faire traiter, pour aller faire les pansements, il faut payer. Pour, il faut payer. Pour faire les examens approfondis, il faut payer. Tout, on doit payer. Dans les « Oh mon Dieu, oh, vraiment, il souffre, oh, ceci », ça ne paye pas le médecin. Ça ne paye pas son loyer, ça ne le nourrit pas, ça ne nourrit pas ses enfants. Ça ne nourrit pas son épouse. Ça ne fait absolument rien. La seule chose que vous pouvez accompagner les « Oh mon Dieu, oh Seigneur, l'enfant d'autrui, c'est 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, selon vos moyens, selon ce que vous pouvez. Ne soyez pas chiche pour rien. Parce que quand il va mourir, là, si on vient vous demander, si on vient vous faire loger, encore mettre le lien là pour dire que voilà, pour chuter est mort, cotisons pour acheter le cercueil, on va même mettre même 1000 euros. Vous allez mettre même 1000 euros, alors qu'il sera déjà mort, ça ne pourra plus lui servir. Ça ne pourra plus l'aider. Ça ne lui servira plus à rien. Aidons-le maintenant, quand il est encore en vie. Aidons-le, c'est maintenant c'est le moment de l'aider. Il y a un lien qui est là, cliquez dessus. Ah, Missoul, donc tu as vu aussi le truc du bébé là. Hein? Moi, je n'ai même pas eu le... Elle dit, j'ai même enregistré la publication, mais je n'ai même pas le, j'ai pas le courage d'en parler. Parce que pour moi, c'est au-delà de mes espérances. Je ne sais pas comment quelqu'un peut prendre un enfant de 3 ans, un monsieur bien conditionné, un monsieur debout pour prendre un bébé de 3 ans, pour aller faire des choses comme ça dessus. Donc, je n'ai pas, j'ai pas mal la force. J'ai mes limites. Donc je disais, n'attendez pas. Parce que si je vous dis là que je viens demain vous m'asseoir pour vous dire que Paul Chuta est mort, vous allez mettre même 1000 euros, 500 euros, il y a 400 euros pour acheter au cercueil. On en a besoin de ça. C'est maintenant. Soutenons-le maintenant, quand il est encore en vie. Il a besoin de se faire soigner. Il a besoin d'assistance. Il a besoin. Donc la famille, cliquez sur le lien qui est là. Le lien, il est épinglé. Si vous ne le voyez pas, sachez qu'il est bien là, il est bien épinglé. Maintenant, je vais mettre le numéro. Après, on va parler du problème des enseignants avec antenne libre. Et ceux qui pourront appeler vont appeler. Je vais mettre le numéro pour pouvoir appeler également à côté du lien. Parce que je passe à mettre le lien sans mettre le numéro parce que les deux doivent aller de pair. Donc, la famille, c'est pour vous dire, vous ne savez pas, on a la chance. Certains ont la chance de ne pas être au pays. D'autres ont la chance d'être très loin, hors du pays. Et d'autres sont au pays, mais ont une petite vie qui ont un peu de quoi manger et estiment être meilleurs que les autres. Et de ce fait, soutiennent corps et âme le drabataire qui est là, qui nous confisque le pays. Et c'est à cause des gens comme ça que les choses ne peuvent pas changer. Parce que ils déforment la vérité. Ce qui est mauvais, ils disent que c'est bon. C'est à cause des gens comme ça. Voilà, j'ai mis le numéro de téléphone. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'épingler avec le lien en même temps. Je ne sais pas. Voilà. Déjà, Pierre, je pense que Pierre, toi, tu as le numéro de téléphone. Donc, si tu veux appeler, tu peux appeler. Parce que toi, tu as le numéro de téléphone. Tu peux appeler directement sur WhatsApp ou appel normal. Puisque toi, tu es ici. Avant qu'on ne parle du problème des enseignants. Vous savez, il y a la crise des enseignants qui est en train de se jouer en ce moment au Cameroun. Et nous ne pouvons pas faire des directs en ce moment sans en parler. Parce que c'est le sujet du jour. Et je l'ai mis cela en dernier parce qu'il fallait avoir qu'on parle du problème de Paul Chuta, du problème de ses enfants,
de ces enfants qui se livrent à la prostitution à Douala, ces jeunes garçons. Et on était tellement habitués que c'est toujours les jeunes filles. On ne s'attendait pas à tomber aussi sur les jeunes garçons et ce réseau de pédophilie qui, en plein quartier, et qui est justement bien protégé par le gouvernement. Parce que même si le commissaire là est parti démanteler ça, ce monsieur va être libre dans quelques jours. Voilà, on va tout camoufler, on va le libérer, il va aller encore ouvrir une autre maison close quelque part. Et il va continuer à faire le même travail dans un nouveau quartier, sur des nouveaux enfants, il va continuer son même travail. Voilà, en sachant que quand un enfant, quand on l'a arrêté comme ça, on a donné 50 000, on a défenestré son derrière, il prend 50 000, il prend goût à la facilité, il va entraîner d'autres enfants dans cet engrenage. Vous avez vu le petit garçon qui est parti, il allait prendre ses amis pour amener, et il dit, il voulait comme ça qu'ils travaillent ensemble. Donc, il considère que aller comme ça se prostituer, c'est travailler, c'est un travail. Aller chercher les jeunes garçons au quartier pour venir les livrer. C'est pas sur ce numéro qu'il faut appeler Pierre. C'est pas ça, c'est le numéro sur lequel je fais le direct. Ça, c'est pas sur ce numéro qu'il faut appeler. Et je ne peux même pas raccrocher parce que si je raccroche, ça va m'occuper le direct. Donc, lui considère que c'est un travail. Pour lui, c'est un travail d'aller comme ça prendre ses amis au quartier et aller les livrer à d'autres personnes, à d'autres hommes. C'est un travail. Vous voyez? Donc, et celui qui avait un problème de 50 000 qui est parti et il s'est fait prendre, on lui a donné 50 000. Il va repartir le lendemain. Il va repartir parce que ça devient tellement facile. Il trouve ça tellement facile que ça devient une façon pour lui de vivre. C'est un métier, ça devient un métier. Et c'est comme ça que vous voyez des enfants deviennent des tchélés, jusqu'à ce que ça continue comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on brise. On brise la vie des gens. On détruit l'avenir des enfants. Il faut que j'épingle le numéro Pierre, parce que je pense que comme je n'ai pas épinglé le numéro, pourtant c'est le numéro sur lequel tu appelles souvent. Bon, là je vais l'épingler. Je vais quand même essayer de procéder différemment parce que je ne peux pas épingler le lien de... Je ne peux pas épingler le lien de Paul Chouta. C'est ça qui est très important ce soir. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. On repartage le direct, s'il vous plaît. Et ceux qui viennent de se connecter, sachez que nous sommes là pour faire une levée de fonds pour accompagner Paul Chouta dans... Attendez, je mets le numéro en même temps, 07 58 60 90 30. Voilà. Voilà, j'ai mis le numéro, je vais l'épingler, voilà. Donc, le numéro, il est épinglé, Pierre, avec aussi le lien. Voilà, j'ai pu mettre les deux en même temps. Donc, là, c'est super. Voilà, la famille. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler pour intervenir. Et après, on va parler du problème des enseignants. Et n'oubliez pas néanmoins d'avoir de tontiner, comme j'ai dit, parce que c'est très important, c'est primordial. Il faut qu'on tontine pour pouvoir... soutenir Paul Chouta dans ses démarches au niveau des hôpitaux et tout. Après la tentative d'assassinat dont il a été victime, la énième tentative d'assassinat dont il a été victime. Voilà. Donc, nous allons comme ça aussi continuer avec cette crise, cette grève des enseignants qui sévit au Cameroun depuis bientôt quelques semaines. Vous avez vu la vidéo du jeune Amidou, du monsieur Amidou qui est finalement décédé, qui a fait 10 ans prof de sport dans tout un lycée, il est le seul prof, c'est-à-dire que de la sixième ou c'est troisième ou c'est terminale, c'est un seul prof DPS. 10 ans à travailler sans salaire. Finalement, le pauvre est mort. Voilà le Cameroun dont on vous parle tous les jours. Mais quand on vous parle de ce pays, vous avez l'impression qu'on parle de notre pays. Vous avez vu, cette grève des enseignants est en train de prendre des proportions. Le gouvernement ne s'attendait pas. Même les sardinats,
Je dis même les sardinats sont en train de s'indigner. Même les sardinats qui ont toujours trouvé des excuses au gouvernement de tout si ont du mal. Parce que on ne peut pas comprendre que quelqu'un chaque jour porte sa mallette, porte son sac pour aller travailler et à la fin du mois n'a pas de salaire. Et que parallèlement, vous voyez des gens ont des grosses voitures de service, ils boivent abondamment du champagne, du whisky, s'offrent des grands voyages, ont des maisons luxueuses, des gardiens, des chauffeurs. Mais ceux-là même, pour devenir ministre, pour devenir directeur, pour devenir ceci, ils ont d'abord été sur les bancs de l'école. C'est grâce aux enseignants qui savent écrire leur nom. C'est grâce aux enseignants qui savent nous prendre les décrets qu'ils prennent tous les jours. C'est grâce aux enseignants s'ils pouvaient être directeur de cabinet, directeur de ceci, ministre de comme ça, et les bas. C'est grâce aux enseignants. C'est les enseignants qui les ont permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais vous voyez, les enseignants n'ont rien. Parallèlement, ils ont les grosses voitures, ils ont les grandes maisons, ils ont les gros salaires, ils vivent dans l'abondance. Ils privent l'être humain du salaire de pasteur, salaire de misère. Parce que quand on parle de salaire, on peut croire que c'est les vrais salaires comme en Côte d'Ivoire, où on paie les enseignants 500 000, on paie les pas 300 000, les pas 400 000. On peut même croire que c'est ça, des salaires de pasteur. C'est-à-dire, même le petit salaire là, les 200 000 ou les 150 000 là, c'est Dieu à leur donner. Mais ils sont assis en haut, comme s'ils étaient au... C'est ça que je dis, ils sont des seigneurs. Ils donnent à manger au peuple en compte-goutte. Ils donnent un peu. Il ne faut pas que le bas peuple ait suffisamment. Parce que si le bas peuple a suffisamment, ils ne seront plus misérables. Ils ne vont plus les admirer. Ils ne vont plus les voir comme des seigneurs, comme des dieux. Donc il faut donner un peu. Quand j'étais petite, j'ai encore le souvenir de tous mes maîtres. J'ai le souvenir de mon directeur à l'école publique de Nkondongo, M. Beto Bitomo. Il y a des choses dans la vie qu'on n'oublie pas. C'est le nom de son enseignant. Quand on a eu un enseignant méchant, ou bien pas méchant que il ne t'aime pas, hein, mais méchant qu'il fouettait, parce qu'on en a fréquenté. On a fait l'école où on fouettait encore les élèves. On avait les madames Niam. Les madames, tu poses les maîtresses gentilles, mais les maîtresses du coin élémentaire. Hein. Les madames, feu madame, elle s'appelle madame Yangjo. On se rappelle toujours du nom d'un enseignant. Le lycée, alors, on connaît le nom de tous les professeurs du lycée. On parle encore là de l'école primaire. Je parle là de l'école primaire. Donc, on se rappelle toujours. On disait, madame Hanlock, c'était ma prof, au stock moyen 1, avec madame Niam, deux femmes bassa, c'était la totale. C'est-à-dire, on avait tiré le tiercé gagnant. Les femmes-là étaient méchantes. Ouais! Seigneur Jésus. Coup moyen 1, coup moyen 2. C'était l'enfer. Je me souviens de mes enseignantes. Je me souviens d'elles. Je les détestais à l'époque. Parce que je trouvais qu'elles étaient méchantes. Elles nous fouettaient. Pour un oui, pour un non, elles nous fouettaient. Pour ceci, pour comme ça. Elles nous fouettaient. Et comme je n'étais pas parmi les élèves les plus brillantes de la classe, j'étais toujours en train de me faire fouetter. Je me souviens encore de Madame Hanlock. Elle habitait là, en Kondongo, en face du cinéma Le Fundi, à l'immeuble en haut. Brune comme ça, propre. Madame Niam habitait vers Vombi. On s'en souvient. On se souvient de nos enseignants. C'est grâce à eux si je sais aujourd'hui lire. Je me rappelle quand j'étais au cours moyen de... Quand je voulais faire mon concours d'entrée en 6e, parce que moi j'habitais en Kondongo, et j'avais choisi le grand lycée d'Anguissa, comme tous les élèves, on voulait tous aller au lycée d'Anguissa. Tous, on voulait aller au lycée d'Anguissa. Parce que non seulement, moi j'habitais en Kondongo, vraiment au niveau de la menuiserie, nous aussi, donc pas très loin du lycée d'Anguissa. Donc j'étais très proche. Donc quand on a demandé de choisir le lycée où je devais aller, j'ai dit lycée d'Anguissa. Et c'est Mme Niam qui dit à ma mère que Colette, ne l'envoie pas au lycée d'Anguissa. Elle n'aura pas ses chances là-bas. Il y a trop de candidatures. Est-ce qu'il a plutôt au lycée de Kounou? Ma mère lui dit que le lycée de Kounou, c'est loin. Pour elle, pour un enfant de 6e, aller au lycée de Kounou toute seule, ça va être compliqué. Et finalement, on m'a mise au lycée de Kounou. J'ai fait mon concours et mon CEP au lycée de Kounou. Et j'ai réussi.
Je me souviens de ma maîtresse. Je me souviens de ma maîtresse. Il y a l'autre mec là, c'était le mec du cours élémentaire 1 ou du cours élémentaire 2, c'était un monsieur. On s'en souvient toujours. Donc dans nos vies, on a toujours ce souvenir d'une maîtresse qui nous a marqué ou d'un maître. Comment donc ces ministres, ces directeurs, ou bah ceci, ou bah comme ça, ces gens qui nous gèrent le pays, qui sont passés par là, peuvent mépriser les enseignants jusqu'à ce niveau, peuvent les rabaisser jusqu'à ce niveau, alors que c'est grâce à ces études qu'ils sont ceux qui sont aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de se connecter, vraiment, je vous exhorte encore. Il y a le... Dimotima, je vous exhorte vraiment. Il y a le lien de Paul Shuta. Bonsoir, Étonne de Luxe. Il y a le lien de Paul Shuta qui est là. N'hésitez pas. Il a besoin de votre soutien. Il a besoin de votre aide. Donc, si nous savons lire aujourd'hui, ce n'est pas ma mère qui m'a appris à lire. Ce n'est pas ma mère qui m'a appris à écrire. Tout le monde. Voilà. Madame Fakam, lycée d'Anguissa, chacun se souvient. Je me rappelle du professeur du lycée d'Anguissa, M. Diwoutaï. On se souvient toujours d'un enseignant. On se souvient. Parce que c'est grâce à eux qu'on sait lire, c'est grâce à eux qu'on sait écrire. Malgré que d'autres... Moi, je n'aimais pas l'école. Hein. Ça, je peux le dire. Je n'aimais pas l'école. Mais est-ce une raison? Des gens qui... C'est eux le marchepied. Parce que ces gens qui sont des ministres... On va, entre guillemets, dire que, on va se dire que logiquement, ils méritent leur place de ministre parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont fait des grandes études. Donc, c'est grâce à ces enseignants. Mais alors, comment est-ce qu'ils peuvent traiter? Voilà, M. Diouta, le costaud M. Diouta de Sénanguissa, quand il marchait, vraiment, oh non. Comment on peut réduire les gens à la misère comme ça? C'est malheureux. Je me rappelle encore, c'était encore, il y avait mon prof d'histoire, on l'appelait Denil. Il s'appelait encore, tout noir comme ça. Oh, vraiment, j'ai oublié son nom. Comment on peut arriver à réduire l'être humain à ce niveau de misère? Comment est-ce possible? Les enseignants ne méritent pas ça. Non, ils ne méritent pas ça. Mes chers frères, mes chers enseignants, c'est sûr que parmi vous, parmi ces noms que nous sommes crédités aujourd'hui, d'autres sont déjà morts, comme Amidou. D'autres sont déjà morts. Mais vous qui êtes aujourd'hui, qui avez pris ce mouvement, on a trop supporté, OTS, je vous exhorte de ne pas lâcher. Je vous exhorte de ne pas lâcher. Je vous en supplie de ne pas lâcher. Tenez bon. De toute façon, vous n'avez pas de choix. Ah, pas de la classe de 6e en terminale. Moi, je suis arrivé au lycée d'Anguissa en classe de... Je crois 4e. Hein? Non, 5e, parce que j'ai fait la 6e au lycée de Kounou, la 5e. En classe de 4e, oui. Je suis arrivé au lycée d'Anguissa en classe de 4e parce que ma mère a tout fait. Comme Ekounou était très loin pour moi. Donc, je suis arrivé au lycée d'Anguissa en classe de 4e, oui. De la 4e jusqu'en 3e et après je suis allé en Dissamba. Voilà. Donc j'ai fait la 4e et la 3e, après je suis allé en Dissamba. J'ai pas continué le lycée d'Anguissa. Donc, les enseignants, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ah bon? Donc, Bibou, c'est ça qui était l'Anguissa. Hein? C'est incroyable ça. C'est incroyable. De toute façon, c'était un grand lycée, puisque en même temps, il y avait le lycée d'Anguissa et le lycée de Nkoloton qui étaient mélangés. Donc, c'était vraiment un très grand truc. Hein. C'était un très, très, très grand. Deux établissements en un. C'était vraiment très, très grand. Surtout quand ils ont fait le lycée de Nkoloton avec le lycée d'Anguissa dans la même cour. C'était vraiment énorme. Non? Donc, les enseignants aujourd'hui sont dans une phase de revendication justifiée. Je trouve même que c'est même très tard. Qui se réveille aussi tardivement, parce que je ne pouvais même pas m'imaginer qu'il y avait des enseignants qui n'avaient pas de salaire. Je sais juste une chose, c'est que moi, j'ai vécu la situation de ma belle-sœur. Je n'ai pas compris. Je lui disais toujours que mais je ne comprends pas comment tu es mariée à Douala avec les enfants, 4 enfants, et tu travailles au nord. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais normalement, la femme doit être
à côté de ses enfants et du mari. Comment on peut t'enlever à Douala? Comment on peut t'affecter au nom? Ma belle-sœur a souffert le martyre. Laisser les enfants avec mon frère, avec mon oncle, et être au nord là-bas, avec le Boko Haram. Elle a souffert le martyre. Et il fallait Tchoko pour qu'elle entre à Douala. Voilà le calvaire de ma belle-sœur que moi j'ai vécu. Je ne pouvais même pas imaginer qu'avec ça, en dehors de ça encore, il y avait l'affaire des salaires dessus. Je ne le savais même pas. Parce que quand elle m'a appelé pour me dire que vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est ton frère qui garde les enfants, il ne s'en occupe pas bien. Le mariage là-même, c'est monté. C'est descendu. Vous savez, chez nous en Afrique, le mariage, on porte ça qu'avec la main. On porte le mariage seulement comme ça. Quand la belle-sœur menace de partir, on est derrière pour dire que non, quand il y a, il faut faire quoi? Il faut faire quoi pour ne pas être pas? Parce qu'on veut que le frère soit toujours marié. Pour que, quand il y a une femme derrière quelqu'un, on dit que c'est aussi un vrai quelqu'un. C'est comme ça qu'on a tout fait pour que ma belle-sœur là rentre sur Douala là. Vous voyez? C'est comme ça qu'elle est rentrée sur Douala là, retrouver ses enfants, mais ayant souffert. Même les enfants sont malades, la retrouver au nord, la maladie, la souffrance. Je ne pouvais pas imaginer qu'avec toutes ces souffrances-là, il y avait encore l'affaire des salaires dessus. Ce n'est pas possible. Comment on peut traiter son peuple comme ça? Je croyais que Bia aimait l'école. Je croyais que les femmes Ndongo, les Bamomo, gens de Dieu, tous les ministres là aimaient l'école. Donc normalement, les enseignants devaient être bien payés. Comment les enseignants... Quand je vois Monsieur Amidou, quand je l'ai regardé comme ça, il a dit Seigneur Jésus, c'est la pénitence. C'est la pénitence. C'est la souffrance de quoi? C'est la souffrance de quoi? 10 ans sans salaire. Et les bas rappels, il y a tellement de mots, les bas rappels, les bas avancements, les bas ceci. Mais va les voir en train de manger l'argent, de bousiller l'argent, de massacrer l'argent. Pendant ce temps, les profs ne sont pas payés. Pendant ce temps, les hôpitaux. Pendant ce temps, les routes. Pendant ce temps, tellement de choses. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Je dis, ils font exprès. Ils nous donnent tout au compte-goutte. La lumière à Nibouman aujourd'hui, après on coupe, on donne à Essos demain. Après Essos, on coupe, on donne à Avocada. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'eau à Vokada, pendant qu'il y a l'eau à Vokada, on me donne la lumière à Essos. Pendant qu'il y a la lumière à Essos, on donne l'eau à Vokombi. Et ainsi de suite, on donne au compte-gouttes. C'est comme ça qu'ils font, nous font vivre. Tout est au compte-gouttes. Tout est dosé. Pour que le peuple reste toujours dans la misère, la souffrance. Dans le un peu, à dire que regardez. Quand tu vois un enfant, on lui donne 50 000 francs. Il n'a pas donné son derrière. Parce que 50 000 francs pour lui, c'est tellement beaucoup. Qu'il est prêt à aller encore donner et aller encore redonner pour avoir toujours ces mêmes 50 000. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la misère. Je parle, j'oublie toujours de vous dire que ce soir, c'est la grande veillée. Vous voyez, il y a un lien qui est épinglé. Je ne sais pas si vous, peut-être d'autres gens ne le voient pas, mais il y a un lien qui est épinglé. Et ce lien, c'est la cagnotte qu'on nous a mise sur pied pour Paul Chouta avec la plateforme United for Cameroun. Donc, les pattes qui se rappellent de la lycée d'Anguissa et la lycée de Nkondongo et les Sachao et les Cécio, pardon, tontinez d'abord avant de vous rappeler les souvenirs des lycées. Tontinons d'abord pour Paul Chouta, s'il vous plaît. C'est grâce à ces enseignants qu'on sait lire, qu'on sait écrire, et effectivement. C'est aussi grâce à Paul Chouta qu'on a certaines informations sur la toile. Monsieur Sanga, je ne me souviens pas de Monsieur Sanga. Moi, mon prof d'histoire, je sais que c'était Monsieur Denil. Très noir comme ça, très élégant. Il passait son temps à Nias, tous les élèves. J'allais raconter son histoire. Très. J'ai oublié son nom. Je ne sais pas pourquoi j'ai finalement oublié son nom. On appelait Monsieur Denil. Noir, vraiment très noir. Toujours en veste. Histoire, géographie. Son nom m'a échappé. Prof de mathématiques, j'ai oublié. Mais. Tantinons d'abord pour Paul Chouta, s'il vous plaît. Parce que là, on ne me dit plus, on n'affiche plus les montants. On ne me dit plus que 20 euros, 50 euros, 100 euros est entré, 200 euros. Non, on ne me dit plus ça. Donc, ça m'inquiète. Parce que
il faut bien que Paul Chuta puisse se faire soigner, il en a besoin. Donc Joséphine, Diderot, Valérie Bertrand, du côté de l'Angleterre, n'oublie pas de tantiner mon grand Doris, Maréchal de Stuttgart, tantiner, Jeanne Siara, tantiner, pas tantiner, tantiner s'il vous plaît. Il n'y a que la tontine qui me retient encore ici. Je vous en prie, tontinez. On fait combien d'années d'Apollo Chuta? Marthe, tontinez ma belle, tontinez. Je vous invite à tontiner massivement, s'il vous plaît. Faites un geste, le geste qu'on dit, le geste qui sauve. Donc, mes chers enseignants, vraiment, vous tenez le bon bout. Si vous lâchez, si vous essayez, faites l'erreur de lâcher et d'écouter ce que ce gouvernement est en train de vous raconter. Si vous suivez ces torchons de communiqués qui sortent de la présidence où on a raconté des conneries, si vous essayez de suivre ça, vous êtes mort. On a dit argent, il y a même qu'à leçon à terre. Donc, tant qu'il n'y a pas l'argent, vous ne touchez pas la craie. Il dit que tant qu'il n'y a pas l'argent, ne touchez pas la craie. Parce que si vous touchez la craie, c'est fini. De promesse en promesse. Souvenez-vous, en 1994, la fameuse valise, la fameuse mallette d'argent des lions indomptables qui avait disparu jusqu'à aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a encore de cela quelques jours, les 50 millions de la prime des joueurs qu'on a donné aux gens qui sont morts à Olembe, les gens qui ont été accidentés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu les 50 millions. Hein. Aucune famille n'a reçu l'argent. Hein. Quand j'avais dit ici que les 50 millions là, personne ne va voir la couleur, on a dit que des cas, vous avez trop salé le pays. Arrêtez de mentir. Vous avez trop de mauvais cœur. Le pays là, vraiment, toujours en train de dire du mal du pays. Oh, comment tu peux supporter l'Égypte face au Cameroun? Oh, comment tu peux supporter? J'ai dit que je supporte l'Égypte. Et on dit que tu supportes l'Égypte. Comment dit que je supporte l'Égypte? Parce que cette Coupe d'Afrique n'allait rien ramener, n'allait rien changer à la situation de mon peuple. Est-ce qu'on pouvait imaginer que les enseignants, pendant qu'on était en train de massacrer l'argent pour construire le stade, de bousiller l'argent? De bousiller l'argent pour organiser la CAN qui n'a rien apporté, qui n'a rien changé sur notre situation. On pouvait s'imaginer la souffrance dans laquelle les professeurs se trouvaient. Non, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas imaginer que pendant ce temps, les enseignants sont en train de vivre de Amidou. Est en train de mourir à passer de crème son salaire. Mais pendant ce temps, déjà, il était en train de boire les pétrus à la tribune d'honneur au centre, au stade Olembe. Quand on dénonce, vous dites que non. Oh, vraiment, arrêtez de dire du mal. Oh, je supportais l'Égypte face au Cameroun. Bonjour, bonsoir Clarisse, bonsoir Malion. Je supportais l'Égypte parce que je ne voyais pas l'utilité de cette bêtise qu'on appelait Cannes. Bonsoir Hercule Camto, je ne voyais pas l'utilité de ça. Et jusqu'à preuve de contraire, je ne me suis pas trompé parce que je ne vois toujours pas l'utilité. Les salaires, les anciens n'ont pas de salaire. Bientôt, vous allez entendre que les infirmiers, les médecins, bon, de toute façon, les infirmiers, mais les médecins ne peuvent même pas gréver parce que tout leur argent, ils prennent ça que dans les cliniques à côté. Tous les infirmiers et les médecins ont leur cabinet à côté. Donc, ils ne gèrent même pas le petit 100 000 que le gouvernement leur donne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas opprimer, mettre son peuple dans un état de misère. Pas possible. Gouverner les gens comme ça, c'est... Bonsoir, le Saoudien. C'est lamentable. C'est lamentable. Cet homme est vraiment méchant. C'est vraiment un gouvernement de méchants, quoi qu'on dise. Donc, cliquez pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Je le dis encore, il y a le lien qui est là, qui est épinglé pour soutenir Paul Chuta. J'ai l'impression que mon ami Fomete Pierre ne voit pas le numéro qui est épinglé là, sous le lien. Pierre, regarde bien le numéro, le lien qui est épinglé. Il y a le numéro, le 07. C'est bien 07. C'est bien épinglé sous le lien. C'est le 07 58 60 90 30. Voilà. Donc, les gens ne se rendent pas compte de la souffrance des uns et des autres au Cameroun. Et quand on dénonce, on a toujours l'impression de nous prendre pour des vampires, pour des sorciers. On a toujours l'impression qu'on parle de notre pays, bien qu'on est en train d'inventer, bien qu'on est en train de mentir. C'est tout le ressenti qu'on a. Pourtant, tout ce qu'on dit est réel. Tout ce qu'on dit est vrai. On ne ment pas.
Il n'y a rien qui a été inventé. Tout est réel. Tout est vrai. C'est la pure vérité. La stricte vérité. Les enseignants sont en souffrance. Et grâce à ce mouvement qui a été mis, qui a été lancé comme ça par eux, et c'est bien parce que quand les choses sont faites par... C'est-à-dire, ce sont ceux qui vivent même ces réalités qui... C'est-à-dire, ils sont en plein dedans, quoi. Donc, eux-mêmes, ils gèrent leur mouvement. Eux-mêmes, ils tiennent ça bien. Eux-mêmes, ils tiennent ça. Bonsoir, Justine, ma chérie. Eux-mêmes, ils tiennent le mouvement bien. Eux-mêmes, ils ne lâchent rien. Parce que c'est eux-mêmes qui sont victimes. Je pense qu'ils ont tellement trop supporté. Comme ils ont dit, on a trop supporté. Ils ont tellement supporté que je ne sais pas comment ils ont fait pour supporter autant. Parce que personne ne pouvait s'imaginer de leur souffrance. Ça se met éclaté comme ça, boum. Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait une telle souffrance du côté du corps enseignant. Personne. Je savais qu'il y avait la souffrance des affectations, des familles qui sont séparées parce que le mari, on a envoyé la femme aller travailler à tel endroit, on a envoyé le mari travailler. Moi, ce côté-là, je le maîtrisais. Mais ce côté des salaires qui n'étaient pas payés, je ne maîtrisais pas. Donc aujourd'hui, les enseignants tiennent tellement le bon bout que si leurs réclamations ne sont pas respectées, il ne faut pas qu'ils lâchent. Parce que du moment où ils lâchent, ils seront des grands perdants. S'ils lâchent, ils sont perdants. On connaît comment ce gouvernement fonctionne. On sait très bien comment ça fonctionne. Du moment où ils lâchent, si vous croyez en ces promesses, si vous croyez aux promesses de ce gouvernement, vous êtes foutus. Parce que si c'était un gouvernement humain, vous ne serez pas à 10 ans sans salaire, sans avancement. Quand vous imaginez les grands salaires qu'ils ont, quand vous imaginez la vie de luxe qu'ils vivent. Donc, ne faites pas l'erreur de tomber dans le panneau. Et je suis encore contente parce que, jusqu'à preuve du contraire, le mouvement ne cesse de se ici et les profs tiennent bon. Et j'appelle aussi les enfants, ces élèves-là, qui se retrouvent face à des vacataires qu'on a appelés pour venir, à des étudiants, à des profs vacataires qu'on a appelés pour venir remplacer les professeurs, de ne pas faire cours, de sortir, de sécher les cours. Oui, vous devez soutenir le mouvement de vos enseignants parce que c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. On ne les aime pas quand on est en classe avec eux, on ne les aime pas, on a tout le temps à les insulter, à les mépriser, à les rabaisser. Mais ce n'est pas pourtant qu'ils n'ont pas droit à leur salaire. Ils ont fait des études pour ça. Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Non seulement ils sont mal payés, mais même le peu que vous devez leur donner, vous ne voulez pas leur donner. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien justifier que vous traitez les enseignants comme ça? Qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Rien. À mon avis, rien. Donc, mes chers frères et sœurs enseignants, les maîtresses, les profs, les nyogle, les tchitcha, comment on dit chez nous, si vous lâchez, vous avez tout perdu. Je dis, si vous lâchez, vous avez tout perdu. Comme on dit chez nous, argent en main, car le son à terre. Donc, argent en main, argent en bas, argent dans la poche, vous prenez la craie. Tant que vos réclamations ne sont pas respectées, ne cédez pas. Vous n'avez pas tenu 2 semaines, bientôt 3 semaines, pour après céder aussi facilement. Vous savez que vous avez affaire à des mamailleurs, à des roublards, à des gens sans scrupules qui vont vous enfariner. Quand quelqu'un vous dit que 250 gigas égale 500 gigas, vous attendez quoi de ces genres de personnes? Quand quelqu'un vous dit que 36 000 peut faire vivre une famille au Cameroun, vous attendez quoi de ces genres de personnes? Donc, faites très attention. Faites très, très attention. Ah, enfin, un petit sourire. Merci, Jeanne. J'ai commencé déjà à me demander si je suis au désert. Merci, Jeanne. Merci, ma chérie. J'espère qu'on va atteindre même 700 euros aujourd'hui. 700 euros, ça fait combien de 1000 francs? Combien de francs? Merci beaucoup, Jeanne. Merci infiniment. Je commençais déjà à désespérer que donc, les gens sont là pour m'écouter sans tontiner. Ils ne savent pas qu'on est là pour Paul Chouta. Jeanne, je dis que si les enseignants, là, s'ils cèdent, c'est cuit pour eux. Ils ont intérêt à tenir, à s'accrocher, à ne pas lâcher. S'ils cèdent, les carottes sont cuites. Le Saoudien, il faut me faire te bloquer. Hein, parce que vraiment, vous avez souvent venir écrire les choses, les 500 euros. Tu es incapable de mettre 50 euros, tu mets écrit une histoire de 500 euros. Enlève le deuxième zéro qui est sur les 500, là, tu mets seulement 50 euros dans la cagnotte.
Tu es en train de faire l'exé ici. Tu n'es pas devant, tu n'es pas en train de faire le feu, mon frère. On peut me dire que les montants que tu ne coûtais que toi, tu n'as même pas ça dans ton compte. Oui, 500 euros. Viens pas me faire, viens pas me augmenter mon sommeil, s'il te plaît. Voilà. Je vous dis seulement, n'abandonnons pas Paul Chuta. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui viennent se connecter. Vous venez vous connecter quand moi je dois me déconnecter. Partagez le direct et surtout tontinez. Et la personne qui est là-bas dans la régie, là, on a combien? Pardon, affiche le montant que je vois combien on est. On a déjà atteint 500 euros, pardon. La personne qui est là-bas en régie, s'il te plaît. Pardon, on a déjà combien? On a combien dans la cagnotte? Et ça, on a déjà atteint 500 euros. Bonsoir Brigitte, bonsoir, j'ai même pas vu Mirabelle. Bonsoir Mirabelle, bonsoir Ernest. La cagnotte est à 750 euros, super. Ok, merci beaucoup, merci. 750 euros, complétons 100 000 euros alors s'il vous plaît la famille, pardon. Complétons 100 000 euros. Mirabel, où est-ce que vous pouvez faire le zoom vers le lac? Pardon, cotise pour ton frère, Mirabel. Où est-ce que vous n'attendez pas comment tu es pour le shooter? Ou bien vous attendez que. Libérer le Cameroun à tout prix. Tu as cotisé, mon père. Merci, tu as cotisé, merci. Donc, vraiment. 705 euros. Il nous faut encore 300 euros. Il faut qu'on atteigne au moins 1000 euros ce soir avant de dormir. Avec. Si on atteint déjà 1000 euros, ça fait au moins 650 000. Ça peut aller permettre quand même de passer, d'aller faire les scanners et autres. Encore un tour de tontine. Bonsoir Stéphane. Tous ceux qui se connectent là, Eva, Julien, les Paola. Bonsoir tontine. Qu'on atteigne au moins 1000 euros ce soir. Bonsoir Clarence. Merci, libérer le Cameroun à tout prix. Merci, mon père. On continue à tontine. Donc là, nous sommes à 700 euros. Si on pouvait arriver au moins à 1000 euros ce soir, ça va nous permettre d'avoir déjà 650 000. Et c'est déjà un bon premier pas parce que la tontine va continuer peut-être encore sur 2 ou 3 jours. Parce que c'est important. Donc, on va continuer. Déjà, merci à tous les donateurs. Merci à ceux qui ont tontiné. Et à ceux qui vont peut-être tontiner demain ou après. Demain, Mirabel, Chamba et Tune de Luxe, tontiner, oh, ça ne part pas dans la poche de VDKO, ça part dans la poche de United. Et United va transférer à Paul Chuta. Donc, n'hésitez pas à tontiner. Faites confiance à United. Ce n'est plus l'histoire qu'on dit que non, elle a mis son PayPal. C'est elle qui gère, elle paye ses factures avec, elle paye sa maison avec, elle nourrit ses enfants avec. Voilà, on partage encore le direct, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux enseignants, je suis contente parce que ils ne lâchent rien, ils tiennent bien le coup. Et si ça continue comme ça, vraiment, je pense que leurs réclamations... Bonsoir Brigitte, je pense que leurs réclamations vont être vraiment respectées de bout en bout. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça... Allô? Allô? Oui, Kenzo, c'est comment? Allô? Oui, c'est comment? Ça va? Comment allez-vous? Ça va. Oh, ça va, papa, ça va. Et toi-même, ça va? Hein? Ah, je suis là, non, je suis moi en aventure. Je suis dans mon choc. Courage. Mais il préfère encore ici que le Cameroun. Courage, tiens bon, c'est la façon que vous voyez le Cameroun là.
La façon que je vois au Cameroun, là, je ne sais pas si vraiment ça va changer avec les mentalités des Camerounais. Là. Bon. Ce qui se passe au Cameroun, c'est vraiment horrible. Horrible. Effectivement. Vraiment horrible. Et quand les gens se placent pour dénoncer, d'autres disent qu'on salit le pays. Qui salit le pays plus que ces gens-là? C'est ça qui est incroyable, plus justement. Aujourd'hui, on va te parler que Eneo, ils ont coupé la lumière il y a de cela. Ça a fait peut-être 5 à 1 semaine. C'est toujours la diaspora qui salit. Mm-hmm. C'est toujours la diaspora qui coupe l'énergie. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu vas entendre que l'eau de Kamouata sort rouge. C'est toujours la diaspora qui fait en sorte que l'eau sorte rouge. Bon. Aujourd'hui, la vieille, je suis informé de tout ce qui se passe parce que j'ai mes amis ici qui ont fait un tour, qui sont rentrés dans mon pays parce que ça allait se dépasser ici. Mais ouais. Chaque jour, il m'appelle, je dis que non. Mieux j'ai resté même encore là où on était là. Ah là là. Parce que ce qui se passe ici là, je n'ai jamais vu ça. Et que moi, si ça ne passe pas, mieux je rentre dans le cercueil. Mieux que de rentrer subir les délestages. Depuis que moi je suis en aventure, je ne connais pas ce qu'on appelle couper la lumière. Délestage. Voilà. Délestage ou bien l'eau coupée, ceci, cela, non. C'est au Cameroun. C'est quand je suis sorti que j'ai compris que non. J'ai vivé seulement l'enfer ou bien c'était quoi? Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand les gens vivent sans problème, sans stress, ils sont dans leur pays. On dit que tous les pays ont les vrais problèmes, ont leurs problèmes. Mais pour le Cameroun, non, c'est terrible. Les gens vivent sans problème, ils n'ont pas coupé d'eau, coupé de lumière. Tu peux couper l'énergie ici. Tu veux que les gens sortent avec les machettes et les couteaux. Même pour une seconde, tu ne peux pas couper. Même le wifi. Le wifi déjà un peu. Tu vas entendre comment les gens sortent déjà. Mais au Cameroun, voici encore un autre problème qui m'a encore écœuré. Les enseignants, un enseignant, et comme son salaire jusqu'à il grève. Une bande de petits mototaxis viennent se placer devant que pour dire que. Il ne faut pas encombrer la route. Nous, on veut travailler. Hey, là, tout arrive. Qui t'a appris à parler français, là? C'est ça. C'est pas l'enseignant que tu bloques de revendiquer ses droits. Là, tout arrive. Si on connaît manipuler le téléphone aujourd'hui, c'est grâce à l'école. Mais bien sûr. Si on connaît s'exprimer aujourd'hui en français, c'est grâce à l'école. Ah ouais. Oh. Si ce n'était pas nos enseignants qui apprenaient à écrire nos noms aujourd'hui là, ou bien qu'est-ce que nous deviendrons? Mais qu'est-ce qu'il y a que même les enseignants se plaignent? C'est grave. Même les enseignants dans un pays, et vous trouvez que c'est un pays normal? C'est un pays normal. C'est un gang de personnes qui ne veulent pas voir la réussite des gens qui travaillent dignement. C'est tout. Donc ils sont toujours dans les choses, obscures. Oui. Si ce n'est pas le derrière des gens, ils ne peuvent pas réussir. Avant de sortir du pays, là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai fait tout et tout pour entrer dans les histoires du pays. Là. C'est que même nous petits même a fini même un mois depuis. Mais quand il partait déposer mes dossiers, comme moi, j'ai un homme américain, on me demandait que tu sors d'où. Voilà. Qui t'a envoyé ici? Mm-hmm. Qui t'a envoyé? Hey, qui m'a envoyé dans mon propre pays? Comment? Tout le monde a déposé le dossier bien. On a dit, tu vois, des 1500 billes. Il vient déposer, toi, tu me demandes qui m'a envoyé comment. Je dis, ok. Dépose ton dossier là-bas, on va voir. Tu pars, tu cours avec les sacs partout. Après, tu entends que non. Même, tu n'es même pas passé à côté. Donc, ce pays, vraiment, ça a besoin d'une mise à jour. Là, je crois, pas petite mise à jour, une grande mise à jour. Tout part de,
tout est à l'envers dans ce pays actuellement. Tout est à l'envers. Et ce qui est marrant, c'est que ces enseignants grèvent comme ça là. Ces bourreaux qui sont à la tête de l'État du Cameroun, ils n'ont pas de pression. Pourquoi? Parce que les enfants ne se rendent pas là-bas. C'est ça, ils sont pas payés. Les enfants ne connaissent même pas ils ne connaissent même pas ce qui se passe au Cameroun. Ils sont pas là, c'est ça. Si tu demandes même à leurs enfants que combien coûte le pain au Cameroun, il ne va pas te dire. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Donc ils s'en foutent des Camerounais. Exactement. Ils s'en foutent d'abord des Camerounais. Pourquoi? Parce que les enfants font des études à l'extérieur. Ouais. Aux États-Unis, au Canada et tout, et tout, et tout. C'est ça. Nous, alors, nos pauvres enfants qu'on a laissés au Cameroun. Ils vont faire comment? Tu te poumons ici en aventure, tu envoies la Yang pour que ton enfant parte à l'école. Tu attends aujourd'hui que ça mettait sa grévère, l'enfant n'est pas à l'école. Qu'est-ce que ton enfant deviendra dans un pays comme celui-là? Ben, c'est qu'il ne... Et quand tu veux parler des sardinats à ce place, vraiment, les sardinats à ce place pour te dire que vous voulez déstabiliser au pays. Qui veut déstabiliser au pays? On salit l'image du Cameroun. On salit l'image du pays. Qui salit l'image du pays? La fois dernière, même les employés du stade au Olympi, ils ont dit que leur canne était sucrée. Ils ont grévé. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas payé. Tout à fait. Mais les gens sont placés à Mondovision pour boire les pérignons. Le Pérignon est sorti la grande gueule. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les Camerounais sont comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui se plaignent et d'autres qui se réjouissent. Mais que ceux qui se plaignent sont plus nombreux que... Mais ceux qui ne font rien. Si tu dis à quelqu'un que vous êtes là, vous pleurez chaque jour, sortez en masse, ne veut rien vous faire. On va te dire que viens aussi, on sort. Viens sortir toi-même. Et là, je dis que moi, je vais seulement leur répondre que moi, je suis en aventure, j'ai compris depuis. Si ça te dépasse, tu viens aussi. Il peut te donner l'itinéraire, tu viens. Tu veux me trouver en choc. Mais si tu restes là-bas, tu cries. Si tu ne veux pas sortir, quand même, c'est ce qui est de tes droits. Tu restes tant que tu fermes ta bouche. C'est tout. Ou bien. C'est ça. Bon, mais là, quoi, c'est qu'est-ce que non? Mm-hmm. Nous sommes ensemble. Merci, mon grand. C'est ton petit depuis l'aventure. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. Mm-hmm. Voilà. Voilà les enfants qui ont fui la souffrance au Cameroun et qui cherchent comment venir nous retrouver là où nous sommes ici. Nous, on est comme ça, on est parti. C'est pas tellement qu'on fuyait la souffrance. À l'époque, c'était encore un peu bien parce que ça s'est vraiment tellement dégradé. Encore, ça s'est encore dégradé après nous. Quand dans les années 99, 98, c'était encore doux, c'était encore sucré. Mais là, en ce moment-ci, c'est devenu... C'est devenu, ça s'est accentué, la misère s'est accentuée, la façon dont on traite les gens, le mépris, je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. Et comme je dis, les Camerounais ont, je ne sais pas, c'est parfois bien de faire deux mariages, c'est-à-dire, tant que les gens sont dans une bulle, ou bien tant qu'ils sont au pays et qu'ils n'ont jamais, ils ne sont pas même allés au Sénégal là-bas à côté, même au Mali à côté pour voir aussi comment ça se passe, pour voir, pour changer, pour voir une autre façon de faire, pour voir comment on gère une autre gestion, comment on gère le pays différemment. Ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Et même quand tu veux leur dire, ils te montrent qu'ils connaissent même plus que toi. Parce que, je ne sais pas, les gens au pays, je ne sais pas s'ils arrivent à croire que ce qu'ils vivent est normal. De vivre dans le noir, à longueur de journée, les nourritures se gâtent, les appareils se gâtent, on est obligé d'utiliser le seau dans les WC. Mais ils sont réduits, on les fait retourner à l'époque de la préhistoire, mais ils ne se rendent même pas compte de ça. Ils subissent à longueur de journée, ils subissent. Et c'est devenu comme pour eux, on a l'impression que c'est normal. Tellement, on leur fait comprendre que vous êtes chanceux même d'avoir la lumière aujourd'hui parce que là-bas, dans un village très lointain, là-bas, ils n'ont même pas la lumière. Ah, vous êtes chanceux d'avoir de l'eau aujourd'hui.
On est au 21e siècle. Partout dans tous les pays du monde entier sont électrifiés. L'eau et la lumière, c'est la moindre, c'est-à-dire que c'est les basiques. Il y a des pays aujourd'hui où le Wi-Fi est gratuit partout, c'est-à-dire que si tu marches en route, tu as la connexion Wi-Fi. Tout est donné en compte au goutte au Cameroun, tout est donné en compte au goutte parce qu'il ne faut pas que le peuple s'émancipe, il ne faut pas que le peuple ouvre les yeux, il ne faut pas que le peuple sache ce qui se passe ailleurs. Il ne faut pas, il ne faut pas. Il ne faut pas. Et voilà, ils ont tellement poussé. C'est arrivé au niveau des enseignants. Qui aurait pu? Même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas m'imaginer que les enseignants aujourd'hui pouvaient être en train de gréver. Je ne pouvais pas l'imaginer. Et quand le mouvement a commencé à grogner dès le départ, dès les premiers lieux, le gouvernement n'a pas réagi. Le gouvernement a réagi 2 semaines après. Parce qu'ils ont voulu voir si les professeurs allaient tenir, les enseignants allaient tenir. Envoyer les hommes de l'armée les menacer. Envoyer les hommes en tenue les menacer. Mais ils se rendent compte que les gars sont en train de tenir. Et maintenant, c'est le temps qu'ils réagissent. Sauf qu'ils ne réagissent qu'au niveau du communiqué. Il n'y a pas encore l'argent dans le compte d'un quelconque enseignant jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à là où on parle, il n'y a pas un enseignant qui a eu son argent dans son compte. Et on leur demande d'aller reprendre les cours. Reprendre les cours sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Quand on fait une grève, on revendique quelque chose, il faut qu'on ait gain de cause. Sinon, ça n'aurait servi à rien. Donc, vraiment, beaucoup de courage à nos enseignants. Nous avons chacun dans nos vies eu un enseignant, que nous les ayons aimés ou ne pas aimés. Ce sont des gens qui sont dévoués. Voilà. Et on a des enseignants qui sont dévoués parce qu'on a vraiment des gens qui aiment vraiment, c'est-à-dire qui aiment vraiment l'enseignement. Et il y en a d'autres qui le font juste peut-être parce qu'ils veulent avoir de quoi manger. Mais il y a des gens qui aiment vraiment ce métier, qui pour eux c'est une vocation. Voilà. Et on doit leur permettre de vivre dignement de leur métier. C'est la moindre des choses. C'est grâce à eux que nous savons lire et écrire. C'est grâce à eux que nos enfants aussi savent lire et écrire. C'est grâce à eux que le monde peut se moderniser. C'est grâce à eux qu'on peut savoir piloter un avion. C'est grâce à eux qu'on sait faire beaucoup de choses. C'est grâce à eux. Si on sait ça, on peut s'asseoir aujourd'hui, faire un direct, mettre des liens, faire des commentaires, écrire, interagir, partager. C'est parce qu'on sait lire et écrire. Si on ne savait pas lire et écrire, on ne pourrait pas manipuler ces appareils. Donc l'éducation... C'est le fait de lance d'une nation. C'est très important. On ne saurait s'amuser avec. Donc, on ne saurait s'amuser avec le corps enseignant. Le Saoudien dit qu'on devrait commencer par le cas d'Amidou. Mais on a parlé déjà d'Amidou, le Saoudien. Tu penses qu'on fait de la discrimination? J'ai parlé du cas d'Amidou. J'ai dit que ça a commencé. Le pauvre Amidou, il est mort aujourd'hui sans avoir eu son argent. Tu veux qu'on parle comment? Quand on dit enseignant, ça englobe Amidou, non? Amidou aussi n'était pas enseignant. Ou bien que tu... Parce que Amidou était aussi enseignant, non? Donc, quand on dit les enseignants, c'est tous les enseignants. Amidou, y compris le Saoudien. Amidou, aujourd'hui, ça va être la figure emblématique de la grève des enseignants. Pourquoi est-ce qu'on a créé la discrimination, papa? On dit les enseignants, on n'a pas dit un enseignant, on dit les enseignants. Donc ça englobe Amidou. Amidou était enseignant, papa. Ce n'est pas pour dire qu'il était enseignant. Donc quand je dis les enseignants, il est dedans. Et j'ai même parlé de lui au départ en disant qu'effectivement, il a tellement souffert, il a été malade et il est mort même sans avoir eu son argent. J'ai l'impression, parce que tu ne fais que parler d'Amidou, on dirait peut-être qu'on a créé une discrimination. Quand on dit les, ça veut dire que ça englobe tous les enseignants. L'enseignant Bameleke, l'enseignant Bassa, l'enseignant Eton, l'enseignant Nordis, tous les enseignants, papa. Ça englobe tous les enseignants. Même les enseignants qui ont la carte du RDPC, ils sont dedans. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a même les enseignants qui ont la carte du RDPC. Mais ils sont dedans. Ça englobe tous les enseignants. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Amidou, aujourd'hui, reste la figure, même c'est-à-dire que ça reste la figure emblématique de ce mouvement. Dieu, malheureusement, il n'est plus là. Il n'est plus là à cause de ses sanguinaires. Donc, on ne doit pas accepter qu'on méprise ces enseignants jusqu'à ce niveau. Ils doivent avoir gain de cause et nous devons les accompagner dans ce mouvement. On doit les accompagner, on doit les soutenir.
Et je profite encore pour vous dire qu'il y a le lien qui est épinglé là. C'est le lien pour aider. Je ne peux pas mettre un litige pour Hamidou et sa famille, le Saoudien. Ça ne se passe pas comme ça. Hamidou, il est mort. Il est mort. On dit, quand il était encore en santé, moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des gens qui avaient des aérés, des salaires et tout. Non, j'étais même pas au courant. En fait, on découvre tous ces cas. Il n'est pas le seul. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est nous battre. Si la grève, si les enseignants là, obtiennent gain de cause, la famille d'Amidou aura le rappel de salaire sa femme et ses enfants auront son rappel de salaire. Paul Chouta, lui, il aura quel rappel. Paul Chouta n'est pas enseignant, mon fils. Il n'est pas enseignant. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ne doivent pas lâcher, parce que s'ils lâchent, ils vont tous perdre. Pourtant, s'ils vont jusqu'au bout, ça veut dire que Hamidou soit mort ou pas, on doit remettre à sa famille, à sa femme. Il a une veuve, il a des enfants. Tous ces 10 ans de salaire, tout ce que le gouvernement lui doit, doit être payé. C'est pour ça que les anciens ne doivent pas céder si les réclamations qu'ils ont demandées ne sont pas respectées. Sinon, ça ne servira à rien. Donc, on ne peut pas mettre les litiges pour les enseignants, parce que les enseignants sont nombreux. Et Hamidou n'est pas le seul. Il y a encore une dame que j'ai vue dans une vidéo aussi qui est malade. Il y en a beaucoup, le Saoudien. Les enseignants, ils sont nombreux. On ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut qu'ils obtiennent gain de cause pour que le gouvernement puisse résoudre leurs problèmes. Mais Paul Chouta ne dépend pas du gouvernement. Ce n'est pas un salarié, ce n'est pas un fonctionnaire, c'est pas... Voilà. C'est vraiment un autre cas. C'est un autre cas. Si la grève là, ce mouvement, on a trop supporté là, si les enseignants doivent avoir gain de cause, s'ils ont gain de cause, que ce soit ceux qui sont malades, que ce soit même ceux qui sont vraiment décédés, ils doivent tous avoir leur rappel, tout ce qu'ils réclament. Ils doivent l'avoir. Et c'est pour ça qu'on doit les encourager. C'est pour ça qu'on fait des directs comme ça pour sensibiliser, pour parler des anciens. Vous devez partager massivement. Parce qu'ils doivent se sentir soutenus. Vous savez, même l'affaire Internet, c'est au Cameroun. Quand tu te rends parfois, on se rend parfois compte que ça n'arrive même pas jusqu'à eux. Parce que le gouvernement leur donne la connexion Internet que par compte goutte. 1 giga, demi giga, 0,000 combien de gigas. C'est par compte goutte. Pour les priver des informations, pour les priver de tout. Oui, mais quand tu vas chez ces gens, ils ont Internet de haut niveau seulement. Ils ont la bonne connexion. Mais les petits hommes du quartier là, même un peu 2 gigas là, même un peu 1 giga là, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas suivre quoi avec 2 gigas, 1 giga? Tu ne peux pas aller loin, tu peux pas aller loin. Donc ce n'est pas, c'est quand on dit les enseignants, Hamidou, ça englobe tous les enseignants, mon père, tous. Même si Hamidou est mort, il reste le visage de ce mouvement. Et si, je ne dis même pas si, ils doivent avoir gain de cause, parce que les anciens doivent avoir gain de cause, et sa famille va récupérer ses droits. Voilà. Donc, je vais bientôt m'arrêter, il est 23h, à minuit, je m'arrête. Bonsoir, Nice. Donc, je vais encore vous rappeler tout simplement que il y a un lien PayPal qui a été mis par la plateforme United for Cameroun pour venir en aide à Paul Chouta. Vous savez, Paul Chouta aujourd'hui a été victime d'une tentative d'assassinat hier. Et c'est pas la première fois. Oui, hôtesse, on a trop supporté. Oui, on est tous avec des enseignants. C'est vraiment, on doit les supporter, on doit les soutenir. Et même ici en diaspora, il y a quelque chose qui se prépare. Nous allons bientôt communiquer dessus. Les choses se préparent. On doit être avec eux. C'est on ne peut pas ne pas les accompagner dans ça, voilà. Et c'est pas toujours évident, mais du moment où les gens se sont levés et signent pour réclamer leurs droits comme ça, c'est leur droit, ce n'est pas une faveur, ils réclament leurs droits, ils ne demandent pas une faveur, on doit être avec eux. Bonsoir Linda Gono, voilà. Donc je vous disais tantôt que Paul Chouta a été victime d'une énième tentative d'assassinat. Et on sait très bien, on connaît très bien les commanditaires. On connaît très bien les commanditaires. Et nous devons le soutenir et l'encourager et l'aider, l'épauler, parce que
Vous savez très bien comment ça se passe au Cameroun, comment c'est difficile. Il a été battu à mort et déshabillé, laissé nu comme un ver de terre. Et tout ça, c'est parce que le pauvre ne cesse de dénoncer. Et encore depuis que ce mouvement des enseignants a vu le jour, il les soutient à bras le corps, il dénonce, il publie. Il n'y a pas quelque chose qu'il laisse, il n'y a pas une information qu'il ne publie pas. Et je pense que tout ça met à mal le gouvernement. Et les gens qui l'ont attrapé pour le battre, tel un serpent, lui ont dit « tu es trop têtu, tu es trop têtu ». Donc il faut qu'il reste tranquille, il faut plus qu'il parle. Parce qu'on n'aime pas la vérité. On n'aime pas les gens qui éveillent. On n'aime pas les gens qui réveillent le peuple. Vous vous souvenez, Ebala est aujourd'hui en prison parce qu'il parlait beaucoup, parce qu'il disait beaucoup de vérités. Ils ne veulent pas des gens qui parlent beaucoup. Ils veulent des gens comme Steve Fa. Oui. Si tous les Camerounais pouvaient être comme Steve Fa, le gouvernement serait content. Parce qu'ils ne veulent pas des gens du Sud. Ils veulent avoir toujours des petits écervelés, des petits gens qui peuvent manipuler à leur guise. Ils ne veulent que des Steve Fa. Ils ne veulent pas des Paul Chouta, ils ne veulent pas des Ebala, ils ne veulent pas des Michel Bienton, ils ne veulent pas des Zumanto, ils ne veulent pas des Narcisse Nkansom, ils ne veulent pas des gens, des Boris Bertol, ils n'en veulent pas, des Rémi Ngono, ils n'en veulent pas. Ils combattent ce genre de personnes. Parce qu'ils ne veulent pas des gens qui peuvent dire des vérités. Ils veulent juste des gens comme Steve Fa. Oui, des gens comme Steve Fa. Voilà le modèle de personnes que le gouvernement aime et apprécie. Donc, Paul Chouta est dans une situation assez critique et a besoin que nous l'accompagnions. C'est pour cela que la plateforme United for Cameroun a mis sur pied un lien dédié pour collecter des sous et pouvoir l'accompagner dans les soins du quotidien et tout, et tout, et tout, parce que ça ne va pas être évident pour lui. Donc je vous invite massivement à cliquer sur le lien et à participer selon votre niveau et votre degré de générosité, tout en sachant que cette énième tentative d'assassinat à son endroit, c'est une façon de lui clouer le bec, de lui faire se taire pour qu'il ne s'exprime plus, pour qu'il ne dénonce plus. Voilà. C'est toujours et toujours pour... Et si on ne l'encourage pas, si on le laisse comme ça, livré à lui-même, à un moment donné, il finira par baisser les bras. Oui. Il finira par baisser les bras. Parce que ce n'est pas facile. De toujours être en train de recommencer, toujours être en train de recommencer, toujours être en train de recommencer, toujours être en train de recommencer. Il sort fraîchement de prison, il ne s'est pas encore bien retourné. C'est la bastonnade par ici, c'est ceci, et c'est l'agent qui sort. Ce n'est pas un chef d'entreprise, c'est un petit qui se débrouille. Comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir? Comment est-ce qu'il va faire pour payer ses factures? Comment est-ce qu'il va faire pour payer son loyer? Comment? Parce que le gouvernement veut le briser, le gouvernement veut le détruire. On ne peut pas accepter cela. Non. Moi, je dis non. Et vous aussi, vous dites non. On ne doit pas accepter cela. C'est la raison pour laquelle vous devez tontiner pour que nous puissions le soutenir et l'accompagner dans les moments difficiles qu'il traverse en ce moment. Voilà. Donc, dans les jours à venir, nous allons beaucoup communiquer sur le mouvement pour accompagner les étudiants. Je ne peux pas encore donner des informations parce que je n'ai pas toutes les informations précises du côté de la diaspora ici. Je pense que d'ici demain ou après-demain, nous aurons toutes les informations. Nous allons continuer à soutenir les enseignants. Et je vous dis, vous qui suivez les directs, vous voyez là, on parle de ces enseignants, partagez au maximum, partagez. Ils doivent se sentir soutenus, ils doivent se sentir encouragés. Ce sont des gens importants. Ce sont des gens qui sont mal payés, sous-payés. Mais on ne peut pas continuer à accepter cela. Donc, vous devez toujours partager au maximum pour que ça arrive là où ça ne devait pas arriver. Pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Vous savez, quand il y a des mouvements comme ça, si ce n'est pas relayé, si ce n'est pas partagé, s'ils ne se sentent pas soutenus, ils peuvent baisser les bras. Ils peuvent baisser les bras et se dire, ah voilà, on grève même, on ne le soutient pas. On grève même, on ne partage pas les informations. On sort des communiqués, on ne partage même pas. On voit le communiqué partout sur la toile. On ne like pas, on ne partage pas. Hein? C'est comme si les enfants même à qui on a donné l'éducation, les enfants à qui on a appris à écrire et à lire, s'en foutent de nous, ne se soucient même pas de nous que devenir. Même si ce ne sont même plus mes maîtresses, parce que je suis sûr que parmi mes maîtresses, il y en a qui ne sont même plus là, d'autres sont là peut-être en retraite. Même quand je venais en Europe, il y a de cela 20 ans aujourd'hui, plus de 20 ans, Madame Nyanchou n'enseignait plus. Les Madame Chopo n'enseignaient plus. Elles étaient déjà en retraite.
Mais la maîtresse de ma fille Aïcha, la maîtresse de ma petite Muriel, la maîtresse de Maëva, la maîtresse de Adrien, la maîtresse de vos enfants, de vos petits-enfants, de tout ça, ce sont toujours les maîtresses, ce sont toujours les professeurs. Mais oui. Et c'est grâce aux enseignants. Pour qu'un pays puisse tenir, quand on dit ministre de l'économie, ministre de ceci, ministre de cela, c'est parce qu'on a été à l'école. C'est parce qu'ils ont été à l'école. C'est parce qu'ils ont été à l'école. On ne peut pas aller compter l'argent en Bamileke, en Bassa ou en Etom. Il faut compter en français que tout le monde puisse comprendre. Donc l'école est importante. On doit respecter. Nos enseignants méritent d'avoir une vie, de vivre dignement, de vivre de leur métier. Voilà. Donc je vais vraiment m'arrêter comme ça. En vous disant un grand merci à ceux qui ont tontiné. Et j'invite massivement ceux qui n'ont pas pu tontiner aujourd'hui de le faire demain. Le lien, il est là pour le copier. Vous pouvez venir même sur les différentes pages. Vous allez voir le lien partout. Sur la page de Boris Beto, sur la page de Sandy de Boston. Sur toutes les pages de beaucoup de combattants, vous allez voir le lien. N'hésitez pas à tontiner. Sachez très bien que la plateforme United for Cameroon est reconnue, certifiée. Certifié bio, certifié ISIO. Donc, c'est la plateforme de levée de fonds officielle. Il n'y a pas de micmac, il n'y a pas de oh, c'est parti dans la poche d'un X, d'un Y. Non. C'est sécurisé, tout est clean. Voilà. Donc, Paul Chouta, quand l'argent va être levé, quand on aura ce qu'on aura, on va lui reverser en enlevant les frais de gestion de strike, de quoi. Et l'argent sera reversé entièrement. Ce n'est pas moi qui vais aller lui remettre, non. Je ne verrai même pas, ça ne passera même pas entre mes mains. Ça va être géré directement par la plateforme et par le Chouta. Voilà, c'est aussi ça, une façon de travailler dans la clairvoyance. Voilà, et une façon d'éviter des petits soupçons, des petites guéguerres, des petits sous-entendus. Voilà, c'est aussi par cette façon de faire comprendre aux gens qu'il y a des structures appropriées, bien sécurisées, où il ne peut pas avoir une quelconque fuite, il ne peut pas avoir un quelconque détournement, qui sont là pour lever l'argent, pour soutenir le combat. Voilà, et soutenir les combattants. Et effectivement, le cas de Paul Chouta, qui est un combattant, qui est un guerrier. Oui, c'est un men là. Ça répond aux critères d'une tête forte. Parce que Paul Chouta, on ne peut pas se mentir, c'est un combattant. C'est un combattant. Donc son cas correspond à aux idéologies de United for Cameroon. C'est pour cela que vous voyez, on essaye de faire au mieux pour le soutenir et l'accompagner dans les difficultés qu'il rencontre actuellement. Donc je vous invite, peut-être ce soir, vous n'avez pas votre carte bleue à votre portée, mais le lien reste là, sur la page de la chasse du code officiel, sur la page de Sandy, sur la page de Colès Nana et sur la page United for Cameroon elle-même. Le lien reste là. Ça restera pendant 2, 3, 4 jours, le temps qu'on essaie de voir combien notre générosité pourra rapporter. Et nous allons reverser cela à Paul Chouta en intégralité. Donc, merci beaucoup pour votre générosité. Merci à tous les donateurs de ce soir. Aujourd'hui, nous avons pu lever 700 euros. J'espérais 1000 euros, mais ce n'est pas grave. Je pense que demain, si j'ai la force, je vais continuer pour pouvoir atteindre les 1000 euros. Et ainsi de suite, je ne vais pas baisser les bras. Je pense que d'autres personnes aussi de United prendront certainement le relais. Si demain je me sens d'attaque, je vais encore lancer un direct dans ma journée pour essayer de lever la cagnotte à 1000 euros ou voire plus. Et voilà. Et ensemble, c'est ensemble que nous allons y arriver. Voilà. Donc ne laissons pas Paul Chouta devenir un futur Billy Akele. Non. Chez les tontinats, il n'y a pas ça. Allez, merci beaucoup la team. Merci infiniment de votre générosité. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce direct. Merci à ceux qui ont été là au début avec moi et ceux qui sont encore là. Merci à Fomité Pierre. Merci à mon fils Kenzo Choco, je pense. Ouais, c'est ça. Merci à vous tous. Merci de votre générosité. Merci aux élèves du lycée d'Anguissa qui se sont retrouvés et qui ont pu passer un moment agréable à
à se remémorer leur professeur du lycée, la maîtresse de l'école primaire et tout. C'est aussi ça. Evelyne m'a dit, oui, je suis hôtesse. Nous sommes tous hôtesses. On a trop supporté. On doit les supporter. On doit les soutenir. On doit partager au maximum les communiqués. On doit partager au maximum tout ce que la plateforme, les enseignants là publient. On doit partager partout, partout. On doit les soutenir. On doit les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Voilà. Ils ne doivent pas se sentir seuls. Ils doivent savoir que les élèves à qui ils ont appris à lire et à écrire sont avec eux. C'est important. Mais néanmoins, n'oublions pas aussi Paul Chouta. Voilà. Merci beaucoup. Merci et merci à celui qui était à la régie ce soir, qui était à la régie, qui était sur la page de l'agence du Quatre officiel derrière et qui affichait les montants. Merci à cette généreuse personne. Merci beaucoup, la team. Rendez-vous demain. Passez une très bonne nuit. Merci.